Et bah, bienvenue à vous. Donc, moi, je suis Émilie et je serai votre présentatrice de l'émission La Fabrique des Soignants. Et d'ailleurs, je serai accompagnée de Kevin. Oui, et moi, du coup, je serai le soutien d'Émilie pendant toute l'émission. Et c'est moi qui vais prendre, du coup, vos différentes interventions et qui vais les donner aux différents invités pour qu'on échange là-dessus. Mais ça, on en reviendra plus tard. Ouais, on en reparlera juste après. Pour introduire l'émission, je voulais d'abord dire quelques mots sur le collectif qui est à l'origine donc de la Fabrique des Soignants. En fait, cette aventure, elle est avant tout née de la rencontre d'une bande de copains. Kendris, Kevin, Arthur, Diane. Certains sont... D'ailleurs, vous voyez les images de joues quand on était un petit peu plus jeunes. Certains dans le collectif sont soignants, d'autres ne le sont pas. Mais on est tous, en fait, engagés dans la santé, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Ouais. Moi, à titre individuel, donc, je suis interne en médecine. Et il y avait un peu cette idée que finalement... on grandit aussi, en fait, dans le système de santé. On choisit pas le métier de soignant par hasard. Et c'est un métier qui n'est pas, du coup, anodin. On fait parfois des expériences qui peuvent être hyper fortes, hyper marquantes quand on est très jeune. Et ça nous construit aussi, en fait, en tant qu'individu. Et donc, moi, ça fait des années, en vrai, que je suis étudiante. Et finalement, c'est aussi ça. On voit et on assiste aux failles du système de santé. La question du manque de lits, la question du manque de personnel. Ça, on va pas forcément revenir là-dessus. Et pourtant, on a vu, avec le Covid, un élan immense de solidarité. Entre les gens, entre les soignants, mais aussi, quand je dis soignants, c'est avec les médecins, avec les paramédicaux, avec les administratifs, pour les patients. Et finalement, ça nous a aussi montré qu'un autre hôpital était possible et qu'une autre organisation de santé aussi était possible. Donc, comme je disais, aujourd'hui, le constat, on le partage tous. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Et en fait, c'est là que du coup, la Fabrique des Soignants, on intervient. L'idée, c'était vraiment de mettre en avant ces parcours qui étaient inspirants et de pouvoir créer un espace de dialogue qui puisse être intergénérationnel, interprofessionnel. Mmh. C'était vraiment cette idée-là. Et on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut réaliser ça ? Et Twitch, quoi. Donc, on s'est dit, let's go, vous pouvez intervenir. C'est en direct, c'est interactif. Donc, c'est vraiment la puissance de cet outil-là. Et moi, j'avoue, je suis super content qu'on le fasse là-dessus. Non, mais carrément. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'on a lancé le hashtag « Écoutons ce que nous avons à nous dire », car en fait, c'est une émission qui est participative. N'importe qui, aujourd'hui, peut venir discuter avec nous sur les thématiques qu'on va aborder. Parce que finalement, la Fabrique des Soignants, c'est avant tout mettre des mots sur des questionnements qu'on a tous pu avoir dans nos métiers, dans nos études. C'est aussi... se poser la question du sens. Parfois, on peut avoir le sentiment qu'on a pas une perte de sens, mais presque aussi quand on est jeune soignant. Et donc, l'idée, c'était aussi de proposer des rencontres avec des gens qu'on trouve hyper inspirants et de pouvoir, en fait, faire partager ces rencontres à tout le monde. Parce que la vie, Kevin, c'est aussi des rencontres. C'est vrai. Mais il y a aussi des gens qui nous soutiennent, nos partenaires et divers soutiens que vraiment on remercie. Vous les avez vus dans le générique, vous les verrez dans le crédit. On remercie particulièrement l'Assistance publique des hôpitaux de Paris et la MSSF, évidemment. Vraiment, on a été super accompagnés et l'élan est vraiment très positif et on remercie tout le monde. Ouais, et c'était aussi hyper fort de voir que finalement, on était en train de créer un média qui soit à la fois intergénérationnel et interprofessionnel. Et je pense que c'est quelque chose dont on a aussi besoin aujourd'hui parce qu'on n'avait pas d'espace de dialogue aujourd'hui pour pouvoir le faire. Et donc, du coup, on va passer ces deux heures avec vous, mais aussi avec nos invités pour le premier épisode. Donc, j'espère que ce sera le premier épisode d'une longue série. Ouais, et donc, il y a pour aujourd'hui thématique se découvrir soignant. Et donc, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui hyper heureux d'accueillir Jérémy des Minutes de Jérém et Laurence, qui est donc médecin en néonatologie à Créteil. Oui. Tu vas y arriver. Et
Eh bah, bonjour et puis bonjour. Bah, bienvenue à tous. Bonjour. On est hyper heureux de, d'avoir cette émission-là avec vous. On ouais. s'était justement rencontrés et pour nous, vous étiez un peu les personnes qu'on avait aussi envie de mettre en avant à travers leur parcours, à travers leurs histoires. Mmh. Donc d'ailleurs, je voulais vous laisser vous présenter pour qu'on puisse un peu plus faire connaissance. Oui, donc je suis Laurence, je suis médecin. Je travaille en réanimation néonatale, donc pour les bébés à Créteil. Et en fait, dans mon parcours, je suis venue de Belgique parce que je suis belge en fait au départ. J'ai fait médecine en Belgique et puis je suis arrivée en France et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'opportunités, surtout de pouvoir mélanger la clinique et la recherche, même au départ quand on n'est pas encore dans une profession vraiment universitaire. Et donc j'ai développé des pôles de recherche qui m'intéressaient énormément. On aura le temps d'en parler après, mais... ça a vraiment profondément modifié ma façon de voir le soin, de pouvoir me pencher sur une autre source de savoir qui vient en fait de la recherche et d'augmenter en fait mes capacités imaginaires par ce mode-là. Et finalement, ça m'a mené aussi à devenir universitaire, comme on dit, c'est-à-dire donc prendre un poste à l'Université Paris-Est Créteil, où je donne les cours d'éthique et évidemment les cours de pédiatrie, puisque je suis pédiatre. Voilà. Wow, bah quel parcours, hein. Ouais. On va avoir l'occasion d'avoir plein de choses à discuter avec toi. Je suis pas très jeune, c'est pour ça que j'ai déjà fait beaucoup de choses. Bah, c'est pour ça que c'est intergénérationnel. Oui. Et toi, du coup, Jérémy ? Et moi, du coup, je m'appelle Jérémy. Je suis infirmier anesthésiste au SAMU, adulte et pédiatrique. Okay. Et avant ça, du coup, j'étais infirmier en réanimation pédiatrique. Donc, j'ai pas fait de néonat, c'était des un peu plus grands, à Necker. Et avant ça, j'ai fait des urgences pédiatriques à Necker aussi. Et en parallèle de ma vie à l'hôpital, ça fait 4 ans que j'ai créé ma chaîne à les minutes de Jérémy pour vulgariser la santé auprès du grand public et aussi auprès des professionnels et des étudiants pour rendre plus accessible des connaissances et justement faire de la pédagogie. Et à côté de ça, je suis aussi formateur depuis bientôt 3 ans auprès des professionnels en formation continue. Ok. Voilà. Okay. Bah, wow, trop bien, trop cool aussi. Et du coup, t'es pharmacien aussi, mais pas de la manière la plus ordinaire qu'on connaît. Je suis chef de projet du coup d'une fédération de recherche. Mmh. Donc j'accompagne les médecins dans leurs projets, pour qu'ils fassent avancer sur les secteurs de l'imagerie médicale et de l'intelligence artificielle. Non, mais archi intéressant, parce que justement, pour aborder en fait ce premier épisode, on voulait aussi se poser la question du parcours. On a tous ici, je pense, des parcours assez diversifiés, et plus ou moins atypiques, je sais pas. Et la question, c'était un peu de se dire, finalement, on ne naît pas soignant, on le devient. Et parfois, suite à un long processus, dans les études de médecine, parfois même très long. Et il y avait un peu cette question que je voulais vous poser pour lancer la discussion, c'est vous, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir un métier du soin ? Je te laisse commencer dans cette ordre. Un métier du soin, ce n'est pas un métier que je connaissais, de famille par exemple, où je n'avais pas vraiment de modèle. Et donc, quand j'ai dû choisir mon orientation en terminale, en fait, il se trouve que j'avais lu La Peste, je l'ai pris avec moi dans la bibliothèque. J'avais lu donc La Peste de Camus. Et ça m'a beaucoup influencée, enfin, ça m'a vraiment décidée à faire le métier de médecin. Parce que dans La Peste, y a le magnifique portrait du docteur Rieu, qui est un anti-héros, puisqu'il n'a pas de médicaments, il ne peut pas sauver en fait, les concitoyens qui sont atteints de cette maladie. Et donc, finalement, ce personnage m'a convaincue, parce que même en tant que disons, anti-héros, ne pouvant pas sauver, il passait pas à côté de lui-même. En fait, il développait pleinement sa liberté d'action et le regard qu'il posait sur les malades, le type de relation qu'il avait avec eux, faisait qu'il avait un métier. Enfin, il était vraiment le médecin dans le côté relationnel. Et en fait, moi, j'ai fait des études plutôt latin, grec, etc. Parce qu'en Belgique, on pouvait choisir le parcours en fait universitaire qu'on faisait indépendamment des options qu'on avait choisies préalablement. Et finalement, je suis entrée en médecine par le côté philosophie, relations humaines, anthropologie, etc. Et ce côté est toujours resté, en fait, comme quelque chose qui me constitue, même si après, évidemment, j'ai dû faire tous les efforts pour me mettre à réussir mes études de médecine. Mais donc, le personnage du docteur Rieu est aussi en opposition, en fait, à l'époque, avec ma jeunesse, disons, avec un personnage plus,
plus spirituelle, hein, qui est donc le prêtre, en fait, qui fait des grands discours pour expliquer que si le fléau arrive, c'est qu'il fallait s'y attendre, etc. Ouais. Et finalement, moi, ça me convenait bien parce que j'avais réfléchi aussi à faire une profession plus artistique. Et je mettais en balance ces deux aspects et je me suis dit, mais on va toujours... il faut que je sois dans l'action, que je puisse faire des choses, même si c'est des choses relationnelles et des promesses, en fait, aux gens, et participer vraiment dans la société à apporter un métier qui ait du sens. Après, on parlera de la suite de la vie, donc ouais. Ces questions-là peuvent être remises sur la table tout le temps, ouais. En fait, dans le soin, ouais. Parce que c'est pas du tout aussi dichotomique que ce que je ne pensais à l'époque. Hyper intéressant que tu sois venu du coup par un peu le biais des sciences humaines, oui. Parce ouais. que c'est un peu ce qu'on dit, c'est que faire un bac S, qu'il faut être un crack en maths, et puis après s'engager dans les études de santé, alors que bah, effectivement, on a besoin de tout aussi, quoi. Ouais. Et toi, du coup, Jérémy, qu'est-ce qui t'a poussé ? J'aimerais bien avoir une raison aussi profonde et aussi développée, philosophique, etc. moi, c'était comme tous les petits garçons, je pense qu'à la base, je voulais être pompier. C'était vraiment la caricature. C'est-à-dire que j'aimais bien les camions rouges. Et quand je voulais être pompier, et ma maman m'avait dit « Attention, fais des études quand même avant de faire pompier, parce que c'est un métier qui prend toute ta vie. » Du coup, je me suis dit « Quelles études je peux faire avant de rentrer dans les pompiers ?» Je m'étais un peu intéressé, du coup, et c'est là que j'ai vraiment découvert la santé. Et j'ai découvert le métier d'infirmier, donc pour le coup j'avais fait un bac S aussi, et c'était posé la question de faire médecine ou infirmier, mais moi pour le coup j'avais vraiment envie d'être rapidement dans l'action quand même, et du coup c'est pour ça que j'ai pris l'orientation du métier d'infirmier, mais avec vraiment cette essence de base de vouloir aider les gens, enfin c'était pas aussi élaboré dans ma réflexion, mais effectivement il y avait le fait de vouloir apporter quelque chose aux gens et de pouvoir aller directement dans le soin, au contact avec les personnes, et donc du coup pour le coup, alors grâce à ma maman, je n'ai pas été dans la filière pompier parce qu'après, je me suis aperçu que ça ne m'aurait pas forcément plu non plus parce que ce qui m'aurait plu chez les pompiers, c'est d'apporter du soin aux personnes. Du coup, ça présente une activité des pompiers, en l'occurrence. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'était le fait de porter secours au sens propre du terme, et ce que je fais maintenant. Mais du coup, c'est ça, initialement, qui m'a fait aller dans la santé, alors même que je n'ai aucun membre de ma famille qui est dans le soin, quoi. Donc, okay. Voilà. Et est-ce que vous avez l'impression que ce que vous faites aujourd'hui, ça correspond un peu à l'idée de départ ? Alors, moi j'avais une image très, un peu très immature au final, très héroïque de ce que pouvait être un soignant, qu'on pouvait porter secours et qu'on avait une espèce... Parce que j'ai aussi grandi avec les caricatures des petits garçons, c'est-à-dire les camions de pompiers et aussi les super-héros. Ouais. Donc du coup, j'ai fait un bon mélange des deux et j'avais construit mon imaginaire autour de ça. Et en fait, pas tant que ça. Alors justement, du coup, c'est hyper intéressant ce que tu racontes parce que je crois que tu voulais nous montrer une vidéo, si tu veux en parler avant qu'on la montre. C'était parce que en 2021, ouais. J'ai participé au Grand Oral sur France 2, où en gros, c'est un concours d'éloquence où il faut présenter un discours sur une thématique. Et moi, justement, c'est un an avant, du coup, pendant la crise du Covid, donc quand même 3 ans après la fin de mes études, où j'ai vraiment réalisé à quel point on n'était pas du tout des héros, et à quel point la construction je m'étais faite de ça quand j'étais encore au lycée, elle était complètement erronée. Et justement, ça a donné ce discours que j'ai construit et que j'ai balancé sur France 2. On va la regarder tout de suite. Merci tout le monde. Ça me rappelle l'ambiance à 20h, il y a quelques mois, quand mes collègues soignants et moi, on était applaudis comme des héros. Mais un héros, qu'est-ce que c'est exactement ? Pour moi, c'était quelqu'un qui sauve des vies. Alors, j'ai tout fait pour en devenir en choisissant une carrière d'infirmier. Mais je me suis vite rendu compte qu'on ne s'improvisait pas héros en claquant des doigts. Il y a 3 ans, j'ai commencé à travailler aux urgences pédiatriques, puis en réanimation pédiatrique. L'hôpital, on y trouve les pleurs, la tristesse, les cris, la violence, la crasse, l'adrénaline. Je suis jeune, et pourtant, comme tous les infirmiers de mon âge, j'ai vécu des choses qui m'ont profondément changé. J'ai dû me forger une carapace, une sorte d'armure. On grandit vite, on se protège dès le début, et on protège nos proches. À une époque, je vivais avec ma mère. Au début, je lui racontais tout ce que je voyais en stage. Mais la première... Alors, j'ai appris à nuancer mon discours. J'ai appris à couper. Mais en 2020, alors que je ne m'y attendais pas, j'étais confronté à une nouvelle question. Nous, les soignants, qui nous protège ?
J'étais en réanimation pédiatrique lors de la première vague de l'épidémie du Covid-19. Alors le virus n'a pas touché beaucoup d'enfants, mais je me rappelle d'une nuit. Cette nuit-là, je m'en rappellerai toute ma vie. Ce n'était pas mon premier échec de réanimation, mais c'était de loin le plus marquant et le plus perturbant. Je me pensais m'être construit une armure, mais tout s'est effondré lorsque nous avons décidé d'arrêter le massage cardiaque sur cet enfant qu'on n'arrivait pas à réanimer. Cet enfant qui, quelques heures plus tôt, parlait avec ses parents. Cet enfant qui, sans ce virus, serait toujours en vie. Cette nuit-là, c'est la première fois que mes larmes ont coulé sans que je puisse m'arrêter. Nous étions encore habillés, ruisselants de sueur après 1h10 de réanimation intensive et de massage cardiaque. Nos collègues nous aidaient à retirer nos combinaisons de protection et nous restions impuissants, les larmes coulant sur nos joues, sans qu'on puisse les essuyer. Cette nuit-là, j'ai fait un constat terrible. Nous, soignants, ne sommes et ne serons jamais des héros. On est juste des hommes et des femmes ordinaires qui tentons chaque jour de prendre en soin d'autres humains, même dans les situations extraordinaires. On n'a pas de super-pouvoir, pas d'armure ou de cape pour nous protéger. On fait un métier comme tout le monde, et on veut juste le faire dans de bonnes conditions. Alors demain, nous aurons besoin de votre soutien, à vous, soignés ou futurs soignés, pour nous aider à garder notre humanité dans les soins. Ce soir, je ne vous demande pas de m'applaudir moi, mais de saluer l'ensemble des soignants qui travaillent actuellement. Merci. Bah, c'est hyper fort hein, comme vidéo. Ouais. C'est fou. J'avoue, je ne l'avais pas regardé depuis. Ça me remet dans le mood d'avant. Ouais, et puis je pense que c'est un peu ce qu'on essaye de dire aussi ici, quoi. C'est que la vocation, c'est aussi un truc qu'on construit. Enfin, c'est un peu un mythe qu'on construit, surtout. Oui. Et que on fait quand même un métier qui est effectivement pas ordinaire, mais qu'on mérite de l'exercer dans de bonnes conditions, avec les outils qu'il faut et avec tout ce qu'il faut à côté, quoi. Je sais pas si toi, ça te parlait... Oui, moi, ce que j'ai pensé, c'est qui s'occupe des soignants. J'avais l'impression que ce qui m'aidait le plus, c'était d'être une équipe, en fait. Une équipe de soins, enfin, on aura l'occasion d'en rediscuter, mais ce qui porte les soignants, c'est quoi? C'est déjà la relation avec les personnes qui sont là, les malades, les familles, etc. Et puis, ce qui porte les soignants, c'est les autres soignants avec qui on forme une équipe. Enfin, pour moi, il n'y a pas de soins possibles dans les hôpitaux sans vraiment respecter une équipe qui se tienne avec des valeurs. C'est presque comme une famille, en fait, par une équipe. Il y a tellement de choses qui se nouent. On en rediscutera peut-être après. Mais justement, tu parlais de famille. Tous les deux, vous avez un point commun, c'est que vous avez choisi la pédiatrie, finalement. Pourquoi, dans la construction de votre parcours, c'est quelqu'un qui posait la question dans le chat, justement, pourquoi est-ce que vous avez choisi cela et est-ce que ça vous a influencé après dans votre métier de soignant, quoi? Moi, la pédiatrie, je l'ai choisie suite à mon stage d'externe pédiatrie. Ça m'est venu comme une révélation parce que je me suis rendu compte que je pouvais vivre toute ma vie avec des enfants, en fait. Des enfants dans les couloirs, des enfants dans les chambres. Enfin, c'est quelque chose qu'on partage. Et puis après, il y a les parents. Enfin, c'est vrai qu'avoir des parents, c'est comme si on avait des alliés. On est là pour la même chose. Et donc, on se sort pas tellement seul, en fait. On est vraiment avec des personnes qui sont... dont on est sûr qu'elles vont nous aider, en fait, parce qu'on a tous le même objectif. Ouais. Et donc, moi, j'aime beaucoup cette relation. Parfois, on parle de relation triangulaire. Ouais, de pédiatre... la fameuse... Ouais. Est-ce qu'il y a... Oui, vas-y, tu peux le dire quelque chose. Parce que je trouve, hyper intéressant ce que vous racontez, c'est aussi l'impact... que ça a sur sa vie personnelle et professionnelle. Nous, on avait vu un petit graphique... c'était juste après. Nous, on avait vu justement un graphisme qui montrait à quel point, nos conditions de travail sont aussi chargées d'histoire et d'un poids... Enfin, d'histoire au sens général, et que c'est pas forcément toujours évident de trouver un bon équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle. Ah oui, et je voulais... c'était celle-là qu'on cherchait. Et justement, je voulais qu'on rediscute un petit peu avec vous, parce que je pense que c'est une question qui est hyper importante, celle de comment aujourd'hui on trouve un bon équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle. Le slide qu'on voulait vous montrer là, c'était un peu l'idée que dans la fonction publique hospitalière, on est quand même très nombreux à travailler les week-ends, mine de rien. Que ce soit le samedi, le dimanche, ou même travailler de nuit, et que ça nous impacte aussi, en fait,
de façon plus générale. Et donc, il y avait un peu cette idée de se dire, bah, vous, c'est quoi un peu vos trucs pour trouver cet équilibre-là ? Pour trouver l'équilibre entre le... le plus dur, c'est de couper, je pense, entre le moment, je pense que tu me rejoindras là-dessus, c'est de couper avec tout ce qu'on peut vivre, alors que ce soit en pédiatrie ou dans le domaine du soin, peu importe notre poste et peu importe le service dans lequel on travaille, on vit forcément des choses fortes. Ou alors c'est qu'on a arrêté d'être des humains, et ça c'est une autre question. Mais je pense le plus compliqué, c'est de ne pas ramener trop à la maison de ce qu'on vit la journée, et de faire une véritable coupure entre ce qu'on... Parce que sinon, justement, on n'arrête pas d'y penser. Parce que la particularité de notre travail, c'est qu'on a quand même des choses qui sont très prenantes et des histoires parfois compliquées ou même des choses très positives. Mais justement, si on coupe pas et qu'on n'a pas on garde pas justement cet aspect de travail, et qu'on justement ça rejoint un peu le côté de pourquoi c'est pas forcément c'est pas une vocation, c'est que au final les personnes qui n'importe qui fait un travail, quand il rentre chez lui, il a arrêté son travail. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ces deux sphères personnelles et professionnelles, chose qui est plus compliquée quand on fait des métiers à risque, et particulièrement des métiers dans le soin, on a du relationnel. Je parle aussi pour les métiers du social, hein, typiquement. Et concrètement, tu fais comment, du coup, parce que... je le fais pas. Non, mais ça, c'est toujours les grands conseils. Non, tu diversifies tes activités. Oui, bien sûr. Alors, c'est encore plus compliqué quand on fait, en plus, des réseaux à côté et que c'est de la santé. On va dire que moi, je suis vraiment baigné dedans tout le temps. Mais justement, c'est d'essayer de faire des activités qui n'ont aucun rapport, de faire du sport, de faire des jeux vidéo, enfin n'importe quelle activité qui n'ont finalement aucun rapport avec la santé et qui permettent de couper. Mais en fait, on se rend vite compte qu'on construit un univers où il y a énormément de professionnels dans notre entourage, et c'est un peu le piège d'aller boire des verres et de parler santé. Donc moi, dans ma promo, on avait ce truc de quand on allait boire des verres, on ne parlait pas d'anesthésie, par exemple. On essayait de vraiment couper et de parler d'autres choses, parce que sinon, effectivement, on vit, on dort en pensant santé, donc il n'y a pas de méthode miracle. Justement, toi, Laurence, avec ton regard, avec plus d'expérience, peut-être Moi, je pense que quand on est soignant, enfin, quand on entre dans ces professions-là, on est embarqué, en fait. On est comme dans un train. Enfin, c'est-à-dire, on est en train de vivre tout le temps ce métier, de changer. Et je trouvais dommage de ne pas avoir fait... j'aurais bien voulu faire une photo de moi tous les ans, par exemple, depuis le début, enfin, me décomposer, mais aussi m'enrichir. Ouais, t'enrichir. Non, c'est vrai que l'hôpital, c'est le lieu des épuisements. Ouais. Moi, je suis parfois complètement épuisée, toi aussi, sûrement. On peut être complètement, lessivé, en fait. Mmh. Physiquement et mentalement. Oui, les deux. Et puis, par ailleurs, en fait, c'est là qu'on se ressource aussi. Enfin, c'est pour ça que l'équipe est très, très, très importante. Et qu'on est aussi ressourcé par les relations qu'on a avec les malades et leurs familles, puisque nous, en pédiatrie, en plus, les parents sont extrêmement importants pour nous donner de la force, en fait. Et je trouve que... Enfin, moi, ça m'arrive souvent, quand je rentre chez moi, s'il y a une situation qui a été difficile à l'hôpital, un enfant qui ne va pas bien ou des choses comme ça, en fait, même en prenant ma douche, je repense. Enfin, c'est pas fait exprès, quoi. Ça me revient. Enfin, je repense qu'est-ce qu'ils ont voulu dire et comment ça va aller. En fait, après, j'y repense. Je pense au visage de l'enfant, à ses parents, etc., leur vie. J'imagine un peu leur vie, tout ça. Puis bon. Donc, tout ça pour dire qu'on ne peut pas décider de cliver, même s'il faut vraiment faire des choses. Moi, je pense que ce qui m'aide énormément, c'est le cinéma. Enfin, moi, je m'évade, je vais tout le temps au cinéma. J'adore le cinéma. Pour moi, le cinéma, c'est un peu comme les rêves. Enfin, c'est un endroit où on peut se réfugier, qu'on n'a pas choisi. On n'a pas choisi de rêver cette chose-là, mais ça nous vient. Et c'est une vraie ressource. Alors, du coup, j'ai une question à te poser par rapport à ça. Moi, j'ai un peu la réponse, mais je ne te la donnerai pas tout de suite. Est-ce que finalement, on a un droit à la déconnexion aussi, quand on est soignant ? Parce que je trouve qu'il y a un peu cette image du super-héros qui doit être tout le temps joignable, tout le temps là. Et que finalement, c'est ça aussi le sujet, quoi. Et d'ailleurs, je te la pose aussi en tant que créateur de contenu sur les réseaux sociaux, où ça peut être parfois plein de notifications un peu tout le temps. Et je trouve que c'est un peu sur le même plan. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, la déconnexion La déconnexion. Le droit à la déconnexion. Le droit à la déconnexion sur les médias, c'est encore un sujet à part entière. Mais effectivement, la déconnexion en tant que professionnel, c'est toute la question. Je pense qu'il n'y a pas de réponse parfaite. Effectivement, est-ce que le personnel doit impacter notre manière d'être à l'hôpital, du coup, notre manière d'être avec les patients ? Je ne pense pas, mais d'un autre côté, ce serait trop facile de dire qu'on doit toujours être souriant, etc. C'est pas une solution non plus, parce qu'on reste des humains. Et si justement on passe en mode robot, ça devient tout aussi un problème que si jamais. Donc
Il n'y a pas de... Après, la déconnexion en tant que telle, oui, c'est... de toute façon, c'est une problématique liée à notre métier aussi, quoi. Moi, je pense que c'est obligatoire qu'on déconnecte. Et par exemple, les vacances. Enfin, quand on rentre de vacances, on est hyper disponible pour les... Oui. pour les patients, pour réfléchir, pour être vraiment dans la finesse, etc. Enfin, c'est quand même... des métiers où il faut faire bien les choses et où il y a beaucoup de complexité tout le temps. Et du coup, c'est, donc, c'est obligatoire de déconnecter. Non, mais, c'est, mais après, dans la vie de tous les jours, c'est vrai que c'est difficile. C'est quand on part en vacances ou qu'on a un week-end, un vrai week-end sans travailler. Bon, là, mais si on ne pouvait pas faire ça, comme certains collègues dans certains hôpitaux, mais ils n'arrivent pas à déconnecter parce qu'il n'y a pas assez de monde, par exemple. Là, c'est difficile de rester un bon soignant. En fait. Et puis, on a une famille aussi. Enfin, il faut qu'on vive notre vie... Je pense que toutes ces ressources qu'on a aussi, qu'on peut retrouver dans les soins, dans le côté existentiel de ces métiers-là, on les ramène à la maison. On est des gens qui essayons de voir plus large, en fait, quand on est avec nos enfants et tout ça. Mais en même temps, on doit être disponible aussi pour eux, même au niveau du temps. Enfin, de la disponibilité, quand on rentre, il faut qu'on soit là, quoi. Ouais. C'est pas juste qu'on va acheter des pizzas et hop, hop, hop. Il faut écouter, être disponible. Mais ouais, mais justement, Laurence, là, ce que tu dis, c'est... Bon, tu m'as fait découvrir un concept qui est le concept de la médecine narrative. Est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de prendre un peu de recul sur toutes ces situations-là ? En tout cas, c'est un moyen de remettre de l'imaginaire dans le métier de soignant. Et ça, c'est vraiment essentiel pour moi. Je vous ai parlé du cinéma, des rêves. C'est vrai que l'imaginaire, pour moi, c'est une ressource immense. Et donc, peut-être dans les jeux aussi. Les jeux. Enfin, quand on va dans un autre monde, en fait. Et la médecine narrative, ça... Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, du coup, la médecine narrative ? Parce que je pense que tout le monde n'est pas hyper familier avec le concept. Si tu veux, on a commencé à... Ah oui, alors, la médecine narrative... Parce que tu nous avais fait une petite présentation, justement. Oui. Bon, écoutez, en fait, la médecine narrative, c'est, on va dire, une discipline transversale de la médecine. Mmh. Disons que ça concerne toutes les sous-spécialités, les spécialités de médecine. Et ça essaye de remettre du récit, la valeur du récit dans la... dans la relation de soins, en fait, à l'hôpital. Et ça, ça se travaille à partir de lectures qui vont augmenter les capacités imaginaires, et ça se travaille à partir d'ateliers de soignants. Donc, il y a des soignants, par exemple, mon hôpital, le Centre hospitalier intercommunal de Créteil, est le seul hôpital de France à être hôpital médecine narrative, avec un attaché littéraire hospitalier. Qui travaille à l'hôpital comme salarié. Et il organise des ateliers pour les soignants qu'il souhaite, en groupe, en fait, depuis 2018, une fois par mois. Et en fait, on se base soit sur une photo, un film, un très court film, en fait, un extrait d'un roman, etc., un poème. Et après, il nous donne des consignes d'écriture et il nous engage, en fait, à écrire en 10 minutes... en réponse à une consigne. Puis chacun lit ce qu'il a écrit. Et en fait, on découvre des choses qu'on avait à l'intérieur de nous qui sont tout à fait cachées, en fait, qu'on n'avait évidemment pas préparées, puisque c'est des consignes qu'on doit tout de suite, auxquelles on doit tout de suite répondre. Et en fait, je vais vous, si vous me le permettez, je vais vous compléter, en fait, la question de la vocation. Parce que quand on a eu un atelier médecine narrative sur... une photo du film de Spielberg... sur donc sa vocation à lui de devenir réalisateur, ils nous ont demandé quels seraient vos écrits, en fait, si vous aviez dû et moi, en fait, ce qui m'est venu, c'est pas du tout Camus, c'est pour vous dire. Pas de problème. Il y a autre chose, et c'était ce petit texte où je me suis souvenue, ça m'est venu: les ombres du jardin bougent sur les vitres de la bibliothèque, ne rien toucher, n'allume pas, chuchote Léa, ce soir on visite de nuit, regarde ici, c'est son bureau, son père était médecin. Et secrètement, on était entré dans son cabinet. Et le rideau là-bas, comme une cabine d'essayage, c'est là qu'elle se déshabille. Elle, on ne dit pas tout ce qu'on pense. Je monte sur la table pour voir ce que ça fait. Attends, si tu tombes. Non, ça tient. Oh, là, dans la vitrine, quelque chose qui brille, on s'approche. Un couteau. C'est pas un couteau, c'est un scalpel. C'est pour couper. Couper quoi ? Par la fenêtre, le jardin silencieux, un peu menaçant. Il fait peur la nuit, on ne reconnaît rien. On reste pas là. Remets bien la clé. Si quelqu'un nous voit, on est foutu. Et en fait, c'est vrai que cette vocation de médecin, on ne sait pas d'où elle vient. Elle peut venir de mille... On tire des ficelles, en fait. Et la médecine narrative, elle nous révèle des choses qui sont à l'intérieur de nous. Et c'est vrai que... Pourquoi la médecine narrative ? C'est une spécialité qui a été créée, qui s'est formalisée avec un savoir philosophique, qui est issu de la phénoménologie de Merleau-Ponty, de Ricoeur aussi...
et qui va à l'encontre en fait du clivage corps-esprit pour redonner en fait l'expérience de la perception même par le corps dans le métier de médecin et la capacité d'attention et de création imaginaire que le médecin peut réveiller par ses ateliers. Mmh. Qui fait que okay. quand un patient lui parle, en fait, il peut mieux s'imaginer ce que le patient est en train de dire et donc voir beaucoup plus largement ce qui pourrait aller, en fait, finalement, quelle est la demande et qu'est-ce qu'on pourrait proposer, proposer des soins, du coup, plus pertinents. Et c'est basé vraiment sur l'idée que c'est en se racontant, comme ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, grâce à cette occasion, en se racontant qu'on apprend à se connaître. Enfin, de toute façon, même en parlant, on est en train de vivre et on est en train de découvrir qui on est. Et en même temps, on est en train de changer, puisqu'on change tout le temps. Okay. Ouais, donc, c'est comme tu dis, c'est vraiment une discipline qui est transversale, en fait. Oui, ça vient compléter, en fait, la science, évidemment, tout ce qui est connu, qu'on trouve dans des laboratoires, l'evidence-based medicine, sans laquelle on ne peut rien faire, en fait, parce qu'on a besoin de comprendre de techniques aussi, quels sont les traitements les plus efficaces, même si ça change tout le temps. L'intuition et l'expérience clinique dans un système de soins donné, avec des possibilités qui existent par-ci ou par-là de prendre en charge telle ou telle maladie de cette façon-là. Et en fait, où est le récit du patient dans tout ça? Mais en fait, c'est la narration que lui va apporter, qui peut apporter en fait des solutions au médecin pour mieux l'aider en fait et mieux comprendre quelle est réellement cette demande-là. Mais même le côté artistique peut ouvrir les fenêtres de l'imaginaire du médecin. Et il a vraiment besoin de ça, sinon tu ne trouves pas que quand on est à l'hôpital, en fait, c'est un environnement qui est quand même assez fermé. On vit avec nous-mêmes dans un espèce d'utérus ou de cutter. Sous-marin. Et il faut qu'on ouvre tout ça, en fait. Et donc la médecine narrative, si elle nous permet de faire voyager et qu'on apprend à être vraiment attentif à ce que dit la personne, et nous mène dans des chemins qu'on n'avait pas du tout imaginés. Ça nous enrichit beaucoup. Et justement, tu parlais du côté artistique. Toi, il me semble que tu avais créé une option, c'est ça, à Créteil? On a créé une option pour les étudiants en médecine à l'UPEC, à la faculté où je donne des cours, qui s'appelle Médecine Image Cinéma, mettre en scène l'éthique. Et ça permet à des étudiants en médecine qu'ils souhaitent de fabriquer un petit film qui met en scène une situation qui pose des questions éthiques dans le soin. Les étudiants en médecine deviennent en fait nos enseignants. Ils nous montrent à nous, médecins plus âgés, un peu habitués, ou même en fait dans les services, enfin tous les soignants qui sont déjà habitués à travailler. En fait, ils nous rouvrent les yeux sur des trucs qu'on ne voit plus. Et ils nous expliquent aussi quelle est leur transformation dans laquelle ils sont pris, comme je disais, comme dans un train. Mais en fait, cette transformation-là qui est en cours, ils nous montrent à un moment donné de leur histoire où ils en sont par rapport à la question de la relation, en fait, dans le soin. Ouais, finalement, on change un peu de lunettes, quoi. Un petit film, en fait, peut-être. Bah, d'ailleurs, effectivement, on avait sélectionné un des films dont tu nous avais parlé, qu'on va voir maintenant, si ça vous va. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. T'as des nouveaux patients chez toi cette semaine? Ouais, on a eu l'arrivée d'un patient qui est en transit là, monsieur Hugues. Ok, il est ici pourquoi? C'est un grand brûlé au bras et au visage. Enfin, il a déjà fait son passage en réa et dans le service des grands brûlés. Hein. Juste là, il attend pour la dermato, pour le suivi. Mais tu vas voir, il est plutôt stable. Hein. D'accord, et on ira le voir aujourd'hui? Ah, moi j'ai pas le temps du tout là. Hein. J'ai trop de papas à faire. Tu pourras le voir tout seul? Ça te va ou pas, hein? Tu feras un petit message d'évolution sur l'ordi, comme ça, d'accord? Ok. Tu cherches quelque chose? Ah, oui, je vais voir un patient, là, je me souviens plus de son nom. Ah, mais c'est monsieur Hugues. Ouais, merci. Oh, bonjour. Désolé, je somnolais. Pas de soucis, monsieur. Comment allez-vous aujourd'hui? En ce moment, ça va plutôt mieux. Mais mon bras me fait mal. Et il sointe un peu ce matin.
D'accord, ben je vais transmettre l'information à l'interne. Quelque chose d'autre ? Vous ne voulez pas regarder ? Ah si, bien sûr. Bien sûr, je vais mettre mes gants. Ouais, en effet. Je pense qu'il faut mieux la laisser couverte pour l'instant, en attendant les médecins du service. Ah d'accord. Vous n'êtes pas l'interne que j'ai vu hier. Ah non, moi je suis étudiant en troisième année de médecine. Et je suis juste venu en observation pour voir comment vous allez. Ah d'accord. C'est bien ce qui me semblait, vous aviez l'air moins à l'aise. Vous êtes en D1, c'est ça ? Oui, je suis un peu fatigué, désolé. Oui, je suis en D1. Vous connaissez ? J'étais à ta place il y a 30 ans de cela. Mais tu es tout pâle, t'es sûr que ça va ? Ouais, parce que je sais, je suis pas très beau à voir. Et c'est pas vous du tout. D'habitude, je supporte bien ce genre de choses. Ouais, on dit tout ça. Mais des fois, on n'y arrive pas. Hein. Mais des fois, on est dérangé par quelque chose qu'on ne pensait pas qui nous dérangerait. Et je me rappelle, je partais tout fier à un pontage coronaire en première année d'externat. Et au bout de 5 minutes, je suis tombé dans les pommes. Non, mais bah, ça me rassure un peu. Non, mais l'important, c'est que tu comprennes pourquoi quelque chose te dérange. Et surtout que ça n'ait pas d'impact sur la relation avec ton patient. Bon, allez, j'arrête mes monologues et je pense que tu es juste fatigué. Ben. Non, merci du conseil. Mais bon, après, c'est vrai qu'à la fac, on nous apprend pas ça. Quoi. Mais bon, en tout cas, je vais transmettre l'état de votre plaie à l'interne. Et sinon, le transit, ça va ? Vous avez des gaz ? Normal. Moi, je vais regarder l'état de vos jambes. Ça va ? Oh non, je suis crevé, là. Il y a du nouveau de ton côté ? Ouais, il y a monsieur qui a été transféré dans un autre service hier. D'ailleurs, faut que je leur dise de refaire la chambre parce qu'ils l'ont pas fait, là, à cause de la grève. Moi, je l'aimais bien, lui. Tu savais qu'il était médecin ? Il m'a donné masse de conseils. Ouais, il était chef de service de cardio, ouais, à la Pitié. Non, c'est vrai, c'est pas rien, hein. C'est marrant parce que d'habitude les médecins malades ils sont hyper chiants. Mais lui il était vraiment cool. Après si t'as besoin de conseils ou quoi que ce soit, tu vas voir l'un des médecins du service. Hein. Ils vont t'aider. Voilà, hein. T'auras toujours au moins une oreille attentive. Hein. Ouais, j'hésiterai pas. Et d'ailleurs je peux faire sa chambre si tu veux. Bah ouais, bah carrément, parce que là personne va la faire avant la fin d'après-midi sinon, donc... Non, carrément, je suis chaud. Ouais, c'est hyper fort quand même. Hein. Enfin, moi, je trouve ce documentaire, enfin, moi, ce film, je veux dire, m'avait hyper touché quand je l'avais vu. Là, je le revois du coup pour la deuxième fois. Je sais pas si vous avez des réactions par rapport à ça, mais c'est vrai que moi, je me reconnais complètement quand j'étais en deuxième année, qu'on avait un peu un œil hyper neuf et qu'on se disait, bah, waouh, genre, les internes, ils ont des propos, moi, j'ai jamais envie de devenir ça. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, bah, en tant qu'interne, je me pose toujours la question de est-ce que je suis pas aussi en train de devenir le médecin, parfois, avec un geste maladroit où on n'est pas forcément toujours à l'aise. Et je pense que c'est hyper important aussi de garder de la jeunesse. Quand je dis jeunesse, bah, je ne suis pas si vieille que ça, mais, mais en tout cas, de garder aussi des yeux neufs sur notre pratique pour aussi toujours se remettre en question, quoi. Bah oui, ça peu importe. Oui, ça, c'est sûr qu'on peut vite aller dans l'automatisme et dans le déshumaniser au point de... Et ça, c'est un classique en réanimation, mais dans le discours des soignants, de parler des patients en numéro de chambre, ouais. Pire presque en pathologie, aux urgences. Quand on voit beaucoup de gens, beaucoup qu'on parle de la BPCO4. C'est la BPCO, voilà, c'est ça. Ouais, non, mais ça, c'est terrible, hein. Parce que... Ouais. Mais alors, il y a ce côté-là, il y a ce côté-là, il y a aussi le système hein, qui fait ça aussi, le travail à la chaîne. Par exemple, dans certains services, fait que ça conduit à cette déshumanisation-là, plus aussi l'habitude et comment dire.
Mais c'est vrai que pour la question de la déshumanisation, j'ai l'impression que c'est parfois aussi ce qui peut faire perdre un peu le sens du métier. Parce que finalement, on se retrouve à faire des comptes rendus hospitaliers toute la journée et que finalement, la personne en elle-même, on n'a même plus forcément l'impression en tout cas de la prendre en charge, même si évidemment, on est là et on fait des choses pour elle. Et moi, du coup, ça m'amène un peu la question que je voulais vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous avez envie de rester soignant? Qu'est-ce qui vous pousse à continuer d'exercer dans votre métier? Alors... Ça, j'ai le temps d'être C'est direct, hein? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait essayer de trouver l'une ou l'autre petite diapo Ah oui, tu voulais qui m'aidera. Ouais, elle a des petites images. Hop. Ah oui, carrément. Alors, en fait, déjà sur le film, enfin moi, ce qui m'aide à, ce qu'on voit dans le film qu'on vient de voir, c'est une des choses qui me donne envie de rester soignante, c'est le fait que là, c'est une métaphore. Enfin, c'est un professeur de médecine qui est en même temps le patient de ce jeune étudiant en médecine. Et l'idée, c'est aussi que qui nous apprend le plus, c'est les patients, en fait. Enfin, là, il est professeur en médecine parce que c'est justement tout le truc un peu rigolo qu'il y a là-dedans. Et la question du miroir. Parce que c'est vrai que c'est difficile d'entrer dans une chambre quand on a peur de se retrouver face à quelqu'un qui est vulnérable. On n'a pas forcément envie de voir ça, en fait. Et puis, il faut du courage pour être étudiant en santé. Enfin, de toute façon, on va devoir faire ça à un moment donné, entrer dans la chambre, même seul, vivre des choses qui vont nous dépasser. Et finalement, ces films-là, ils montrent aussi la question éthique du regard qu'on pose sur les gens, en fait. Parce qu'en fait, en médecine, on a l'action qui peut être empreinte de la volonté de reconnaître l'autre comme un sujet. Ça se voit, en fait, dans la manière dont on va se comporter, y compris dans la manière dont on va parler, en fait. Mm-hmm. C'est s'adresser à la deuxième personne, en fait, plutôt que de s'adresser à la troisième personne, à quelqu'un qui est devant nous, comme quand on fait les visites. Le grand but de la visite oui, c'est ça. À Paris. Ou finalement, mais j'espère que ça existe quand même beaucoup moins qu'avant. Ouais. Mais finalement, cette question du sujet, remettre le sujet, en fait, ça nous enrichit beaucoup. Et là, c'est une infirmière, un atelier de médecine narrative, avait dit qu'elle, dans sa vocation, dans son métier, ce qu'elle trouvait formidable, c'était que chaque fois qu'elle entrait dans une chambre, elle découvrait... En même temps, l'intimité d'un monde familial, parce que nous, on est avec des bébés, en fait, donc il y a les parents. Pourquoi ce bébé s'appelle comme ça, en fait, c'est le nom de quelqu'un, ou c'est cette signification-là. Et c'est comme si on regardait par la fenêtre, on voit, en fait, tous ces petits appartements, en fait, qui sont l'un à côté de l'autre. Et dedans, il y a une histoire immense, en fait, pleine d'humanité, mais aussi des choses très, très difficiles, qui touchent parfois la transgression, comme par exemple le fait de voir quelqu'un qui va très mal, ou de sentir que la mort arrive et que bon on essaye de se battre contre la mort ou de l'accepter parfois parce que c'est comme ça et finalement ce côté-là c'est de disons se coltiner en fait le plus profond de l'existence humaine en fait ça on le retrouve aussi dans la peste hein. C'est vraiment le fait d'être en prise directe avec la condition humaine et ça c'est quelque chose qui enrichit beaucoup, enfin, même la naissance, accueillir un bébé, c'est qui est ce bébé quoi, qui nous regarde. En plus, les bébés, ils ont une vraie personnalité, hein, même quand ils sont prématurés. Ils nous regardent vraiment, on fait connaissance avec eux. Ouais, et donc, finalement, là, ça, c'est un petit film qu'on avait fait, qu'un de mes collègues avait fait. Mais finalement, c'était l'idée d'un petit bébé qui allait mourir, en fait. C'est une fiction. Hein, donc, et l'infirmière restait, elle ne voulait pas quitter la chambre de ce petit bébé parce qu'elle s'était vraiment attachée à cette petite fille. Et en fait, dans le film, à un moment donné, il y avait une musique. Elle rentrait du boulot et tout ça, et elle marche. Et là, il y a une musique un petit peu mystique qui sort d'une maison tout près de là, sur le chemin. Et elle, ça lui fait penser « Sans toi, je ne me connaîtrais pas ». Et en fait, c'est vrai que dans le soin, enfin, tu l'as dit tout au début de l'émission, on apprend à se connaître en fait aussi et on change tout le temps. Ouais. Mais ça, c'est extrêmement précieux parce que ça donne aussi un sens à notre existence et ça enrichit notre liberté en fait. Ça me permet de rebondir sur la question tout à l'heure qu'on posait, pourquoi on a choisi la pédiatrie, ça me permet de répondre à cette question-là aussi maintenant. C'est que pour moi, il y a un gros défi personnel aussi derrière dans tous les services, parce que je suis jeune pour le coup, mais j'ai vu pas mal de services différents et à chaque fois, c'est une nouvelle approche différente, c'est un nouveau point de vue. Tu parlais de fenêtre, moi j'adore cette image parce que qu'on soit aux urgences, en fait, aux urgences, on va les accueillir à un instant
santé, en réanimation, on va aller plus loin. Et alors, ce qui fait là pourquoi j'adore autant le SAMU, c'est que chaque intervention, qu'elle soit justifiée ou non, on a une histoire de vie différente, on a des situations différentes. Et en plus, il y a autrement, il y a cette dimension où on va rentrer dans l'intimité des gens. On va pas, c'est pas les patients qui viennent à nous, c'est nous qui allons chez les patients. Et du coup, on rentre encore plus. C'est un autre point de vue, oui, c'est ça, c'est un autre point de vue. Et on voit aussi des choses que peut-être je verrais pas si je travaillais pas là-dedans, c'est-à-dire tout le social, en fait, tout, absolument tout. Des personnes qui sont très riches, des personnes qui sont vraiment très pauvres. En fait, je vois des choses que ce métier me permet de découvrir des personnes que je ne verrais pas si jamais je ne le faisais pas. Et c'est la même chose aux urgences, c'est la même chose en réanimation néonate, parce que le système de santé français est bien fait sur ce point-là, c'est qu'on accueille absolument tout le monde. Okay. Et du coup, ça nous permet de voir plein d'histoires différentes aussi. D'où la nécessité d'avoir un regard empreint d'une posture de respect, de tact, en fait. Parce que justement, on nous ouvre la porte, en fait. Et c'est essentiel d'enseigner ça aux étudiants. Et c'est pour ça que le cinéma, entre autres, permet de travailler cette question de l'éthique du regard, comme dans Elephant Man, par exemple. Oui, non, mais carrément. Je voulais juste te dire que dans le chat, quelqu'un a parlé du festival Récithérapie qui a lieu à la Pitié Salpêtrière les 7 et 8 juin prochains. Et donc, la Pitié Salpêtrière a développé une activité de médecine narrative depuis de nombreuses années, qui est très, très originale et riche. Donc, vous pouvez vous renseigner sur cette activité-là. Ouais, et je vais rebondir un petit peu. Il y a quelqu'un qui, pose la question de savoir est-ce que la médecine narrative, ça peut vraiment concerner vraiment tout le monde ou est-ce que... voilà, parce que... Bon, c'est un peu brut, mais voilà, est-ce que ça ne concerne pas juste, par exemple, des personnes hypersensibles, concernées par les questions éthiques? Comment est-ce que, justement, on peut le rendre accessible à tout le monde? En fait, aujourd'hui, la médecine narrative a en même temps du succès. Il y a des émissions radio, des articles de presse, etc. Parce qu'il y a une demande, en fait, de la société d'avoir des médecins qui sont quand même en consultation, par exemple... plus attentif à ce que dit la personne pour essayer que ça colle mieux, en fait, que les soins proposés soient plus pertinents par rapport à ce que la personne souhaite. C'est sur cet aspect-là, en fait, que ça peut avoir du sens. Après, c'est aussi une manière, disons, pour les soignants d'aller bien, en fait. Mais ça concerne évidemment pas tout le monde. Il y a des personnes qui vont pas du tout avoir envie de se lancer dans la question de l'écriture. Parce que l'écriture, c'est dangereux. L'écriture, c'est ça. Hein, c'est, quand vous voyez ce petit livre, Le Beau Danger, c'est Foucault écrivant. Foucault écrivant, il dit, mais l'écriture, on ne sait jamais vers où ça va nous mener, en fait. On découvre vraiment, au moment où on est en train de l'écrire, on dévoile quelque chose qu'on n'avait pas prévu de dévoiler. Donc, il y a des personnes qui n'ont pas envie de se lancer là-dedans, mais ça peut avoir un effet sur le burn-out. Ça a été montré dans des études. En fait, il y a une métasynthèse de la littérature qui a été publiée en 2020 dans BMJ Open. C'est vrai qu'il y a des effets aussi sur la construction des équipes et le fait, par la mémoire collective, en fait, de pouvoir faire que les équipes se tiennent, en fait. Ouais. Ce qui est très, très important, on a dit, comme ressource. Et là, je rebondis un peu, et justement, un peu aussi avoir ton éclairage, Jérémy. Tu parlais de construction d'équipe, et aussi, du coup, la question, et il y a beaucoup de gens qui parlaient, notamment des visites à 15, dans les... Comment est-ce qu'on fait aussi pour peut-être aborder des sujets comme le compagnonnage, comme tous ces trucs-là? Comment est-ce qu'on... Voilà. Cette photo, il le voit, la photo, c'est ça? Ouais, c'est d'accord. Elle est là, la photo, d'ailleurs. Elle est là, la photo, oui, elle est partout. Okay. Cette photo, j'aime beaucoup parce que c'est le... Au-delà du soin et de ce qu'on fait, et du... j'ai le droit de citer comment... Faut que j'appuie où? Là? Ouais, okay, très bien. Quand on travaille dans des services, encore plus, je trouve, quand c'est dans des services difficiles, je trouve qu'on ressent une équipe qui doit être encore plus soudée et qu'en fait... moi, j'aime beaucoup cette photo parce que déjà, on savait pas qu'on nous prenait en photo. Et c'était sur une pause alors que c'était en réanimation pédiatrique et on est toujours à flux tendu, etc. Mais en fait, on voit sur cette photo que trois personnes qui sourient malgré le fait qu'on est sans doute en train de prendre en charge des patients qui sont gravissimes, etc. Donc, pourquoi cette photo est importante? C'est parce qu'au-delà du travail, si on fait
que du travail, s'il n'y a que le travail purement de prendre en soin le patient et qu'il n'y a pas la cohésion d'équipe, bah c'est hyper... Enfin, ça ne marche pas, ça ne marche jamais. Et dans les autres, donc ça fait partie aussi d'accueillir les nouveaux arrivants dans les services, aussi savoir les remercier quand ils partent. Donc, en l'occurrence, sur cette photo, ce qui fait partie des grands classiques dans les services. Et tu m'as parlé d'un mentor qui avait beaucoup compté pour toi, c'est oui. ça Oui, aussi, la question... alors ça, c'est beaucoup remis en question sur le tutorat, par exemple, des infirmiers, des nouveaux arrivants, on en parle beaucoup en ce moment, d'avoir le temps de bien encadrer les étudiants. Et moi, à titre d'expérience, j'ai eu la chance d'avoir un mentor qui est arrivé dans ma vie à peu près en 2020, donc qui est arrivé quand même au bout de 3 ans, j'étais diplômé. Mais en fait, j'ai vu le avant-après de... alors, je vais montrer la photo tout de suite, comme ça, il sera content si jamais il est en live, voilà. Gary Lodren, du coup, qui m'a pris sous son aile, mais par un pur hasard, qui est plus âgé que moi de 9 ans, mon aîné, et qui, en fait, a toujours gardé un œil sur moi, qui m'a aidé sur plein de choses, parce qu'il est infirmier anesthésiste aussi depuis plus longtemps que moi. Il fait de la recherche, il fait plein de choses en pédagogie. Et en fait, il m'a aidé à... ça a été un peu l'objectif à atteindre tout le temps. Et en fait, j'ai vraiment vu la différence entre avant, quand j'avançais au gré, effectivement, des personnes qui m'ont aidé au cours de mon parcours, et d'avoir vraiment quelqu'un sur qui compter et d'avoir quelqu'un qui me pousse à aller toujours au-delà de moi-même. C'est-à-dire que même, il a toujours dit cette phrase, il dit je suis toujours très fier de toi, mais voilà, il a toujours su me dire les mots quand il y avait des choses qui n'allaient pas, et que ce soit aussi dans la création de contenu. C'est-à-dire que ça a été vraiment quelqu'un qui m'a toujours tiré vers le haut. Alors justement, on en avait discuté ensemble en préparant l'émission, ouais. Et tu m'avais dit que c'était un peu lui qui t'avait introduit à la question de la recherche dans les sciences infirmières. Ça a été combiné avec mon entrée à l'école d'IAD, donc le gros problème, je trouve, c'est qu'on est initié à la recherche très tard, c'est-à-dire que en médecine, on est quand même initié très très tôt. À l'Institut de formation en soins infirmiers, donc l'école des infirmiers, on n'est pas du tout initié à la recherche, enfin, il y a quasiment rien. Et du coup, moi, c'est vraiment en master que j'ai découvert ça. Et en fait, en parallèle, c'est le moment où j'avais rencontré Gary, qui lui était un passionné de la recherche, notamment qualitative. Et du coup, pour résumer en deux mots, il y a la recherche quanti, où on va vraiment s'intéresser aux stats. C'est un peu la recherche qui a la plus grande dorure. Ouais. C'est-à-dire qu'on dit tout le temps que la recherche quantitative, les statistiques, c'est plus fort que tout, etc. Et il y a la recherche qualitative, qui est une approche beaucoup plus par l'entretien, par le questionnement, et on va aller chercher beaucoup plus le non-verbal, par exemple, quand on cherche quelque chose, ou tout ce qui est beaucoup plus profond. Et tu m'avais parlé de métaphore de l'arbre. Et je parle de métaphore de l'arbre pour vraiment illustrer. Mais c'est parce que ça vient de Gary aussi, pour le coup. Je remets à César ce qui est à César, pour le coup. Mais ça dépend, en fait, avec la recherche, ça dépend ce qu'on va aller chercher. Par exemple, quand on s'intéresse à une forêt, avec le quantitatif, on va pouvoir savoir le nombre d'arbres qu'il y a. Ouais. On va avoir une vue. C'est comme si vous passiez en pirogue le long du fleuve. Et vous pouviez compter les arbres, le nombre d'espèces qu'il y a, etc. Donc là, vous avez une information sur un gros échantillon de savoir quelle est la proportion d'arbres, la taille, etc. Mais par contre, si vous voulez aller savoir ce qui se passe au pied de cet arbre, savoir qu'est-ce que font les petits écureuils, savoir combien il y a d'enranchures dans l'arbre, etc., ça, c'est possible que par le qualitatif. Et c'est pour ça que les deux types de recherches sont hyper complémentaires. Et c'est d'ailleurs pour ça que mon mémoire de recherche, c'était en binôme, on a fait une étude mixte, justement, à la fois parce que les deux aspects étaient hyper importants. Et vraiment, du coup, Gary m'a initié à la recherche qualitative, qui est un petit peu boudée dans les études de médecine. Moi, je parlais avec mes potes qui sont internes, par exemple. Souvent, ils vont nous dire, bah oui, mais on va rien prouver avec le qualitatif. Et pourtant, c'est aussi ça qui donne du sens aussi à ce qu'on fait. Parce que c'est aussi, comme tu disais, c'est aussi mettre des mots sur des actions ou sur une compréhension aussi du contexte, quoi. C'est aussi d'autres questions de recherche. On trouve un résultat en recherche quantitative. Ouais. Mais après, pourquoi ? Pourquoi les gens, par exemple, en réanimation néonatale, on peut dire pourquoi est-ce qu'il y a plus d'enfants qui ont des problèmes dans telle population que dans telle autre ? Après, si on essaie de retracer des parcours, on peut trouver des réponses à ça. Pourquoi ? Comment on en arrive à répondre de telle manière à un questionnaire ? Mais qu'est-ce qui fait que les soignants disent ça, en fait ? Est-ce que vous êtes contents ? Non, on n'est pas contents. Si on n'a pas posé la question de savoir pourquoi ou qu'est-ce qui pourrait améliorer les choses,
finalement, on reste avec une réponse qui nous laisse le bec dans l'eau. C'est le côté humain qu'on a beaucoup, justement, le côté humain, là, beaucoup avec le qualitatif et les ressentis, les émotions, en fait. Les émotions, on ne les aura jamais avec des stats, pour le coup, aussi, les préférences, les axes. Mais je reviens juste, parce que ça me titillait quand même comme question, sur la question, du coup, de ton mentor. Moi, ça m'a grave parlé, parce que je pense qu'il y a aussi un sujet, là, en ce moment, sur comment on recrée aussi du lien intergénérationnel. On a un peu l'impression, parfois, que nos chefs, ils sont un peu éloignés de ce que nous, on peut vivre ou qu'on n'arrive pas forcément à se comprendre. Comment est-ce que comment on pourrait retrouver aujourd'hui du lien entre les générations ? Là, du coup, on est hyper heureux d'être plusieurs. Comment est-ce que vous faites pour dire à tout le monde, à embarquer tout le monde dans ce cargo, quoi, de dire il faut qu'on prenne aussi tout le monde par... C'est pour le coup, c'est toute la difficulté aussi de, par exemple, faire changer des habitudes à des personnes qui ont un certain âge. Je parle typiquement de certains vieux PUPH, par exemple, qui sont c'est plus compliqué de leur faire changer des habitudes parce qu'ils ont toujours connu que ça, etc. Mais donc après, de toute façon, il y a des personnes qu'on ne fera jamais changer. Pour le coup, dans ces cas-là, ça ne sert à rien de dépenser de l'énergie. Ce qui est hyper intéressant, justement, c'est ceux qui sont ouverts. Mais dans les deux sens, il faut être ouvert. Voilà, c'est ça, il faut être ouvert dans les deux sens. C'est comme, pour le coup, dans la pédagogie, il faut accepter. Il y a les enseignants qui vont faire des cours magistraux en lisant un diapo et tout le monde se fait chier. Et il y a ceux qui vont animer, qui vont aller faire interagir l'assemblée, qui vont vraiment donner des exemples concrets, qui vont imager ce qu'on fait. Et ça, pour le coup, là, je le vois au quotidien, la différence, c'est ce que veulent les étudiants aujourd'hui. Et en même temps, je pense que c'est aussi comme ça que, en rencontrant des gens hyper inspirants qui nous touchent. Je pense qu'on a tous. Enfin, moi, j'ai eu des chefs incroyables. J'avais un chef de pancréato qui allait jouer aux cartes avec ses patients l'après-midi. Et j'étais en mode, mais waouh, genre, c'est un chef de service à Paris. Il a le temps de faire ça. Il y a un peu ce truc de, en fait, c'est parce qu'il était hyper humain et que c'était aussi parce qu'il prend le temps. Et moi, c'est une énorme leçon. Non, mais c'est ça. Moi, c'était une énorme leçon de vie qu'on m'avait appris, même si ce n'était pas au sein d'une visite magistrale du mardi matin. En tout cas, ce que je trouve hyper fort, c'est aussi il y a cette question effectivement du lien intergénérationnel. Mais je pense qu'il y a aussi la question du lien qu'on peut avoir avec les patients. On en parlait avant l'émission. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voulait aussi faire une chronique de patients pour aussi faire porter leur parole. Parce qu'on pourrait, nous, on ne s'imaginait pas faire une émission sur les métiers de la santé sans inclure de patients. Et donc c'est pour ça, peut-être on va lancer le jingle, je ne sais pas. C'est notre première aujourd'hui. Mais en tout cas... je te présente... Enfin, du coup, je vais te laisser te présenter peut-être. Merci. Peut-être tu es Mickaël. C'est ça, merci Emily. Ouais, donc c'est pour notre toute première chronique qui est donc partenaire particulier. C'est ça, merci Émilie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc moi je suis Mickaël Vernes-Sermager, je suis chercheur en santé publique, enseignant également, auteur et podcasteur, comme c'était marqué dans la description. Il doit s'afficher probablement quelque part. C'est ça, sans doute. Et du coup, aujourd'hui, comme tu l'as dit, je vais présenter cette première chronique patient. Mmh. Donc voilà, le thème de cette émission, c'est se découvrir soignant. Ouais. Finalement, un soignant, c'est quoi ? Et finalement, c'est qui ? Un soignant, c'est quelqu'un qui va intervenir auprès d'un soigné, d'une personne soignée. Parce que forcément, quand on prodigue un soin, il faut le prodiguer à quelqu'un. Donc c'est pour ça que cette chronique, elle a une place super importante aussi ici, parce que se fabriquer soignant, c'est aussi se mettre en relation avec l'autre, avec une personne qui a une maladie, qui est malade, puis qui devient patient. Moi, je vais l'aborder sous une perspective un peu hybride, un peu originale, puisque je suis moi-même chercheur et patient, ou patient et chercheur, ça je vous laisse décider selon ce que vous avez envie de m'octroyer comme statut. Et donc au commencement, il y a des signes qui peuvent être banals, qui peuvent passer inaperçus, qui peuvent être plus ou moins inhabituels, plus ou moins handicapants, plus ou moins invalidants. Mais ces signes, finalement, ils se développent, ils vont se transformer en symptômes. Voilà, on va avoir une plainte qui va se développer, mais on peut ne pas forcément se rendre compte que finalement on en souffre, qu'il y a un impact réel. Et ces symptômes-là, en fait, tant qu'il n'y a pas un lien qui est là, qui est la souffrance, il n'y a pas forcément de prise de conscience. Donc forcément, on va se découvrir malade à un moment où il va y avoir une prise de conscience, qu'il y a quelque chose qui a changé dans son quotidien, dans sa manière de penser, dans sa manière d'être, dans sa manière de relationner avec le monde. Mais ça peut être difficile à accepter, parce que quand il y a quelque chose qui change comme ça du jour au lendemain, dans un quotidien, notamment quand c'est quelque chose qui est négatif, la souffrance c'est négatif, c'est quelque chose d'important, c'est difficile à accepter. Et quand on n'arrive pas à accepter une situation, on fait comment pour la partager ? Comment on fait pour la partager ? Parce que c'est très difficile en plus, donc moi j'interviens dans la santé mentale, dans la psychiatrie, comment est-ce
est-ce qu'on fait pour partager cette souffrance psychique qui est indicible? Et quand on met la casquette à côté de professionnels de santé ou du chercheur, hein, de la personne qui connaît aussi la maladie sous l'angle scientifique, bah, c'est difficile d'interpréter quelque chose qu'on ne peut pas partager. Comment est-ce qu'on fait pour interpréter? Comment est-ce qu'on fait pour comprendre? Et notamment quand il y a du déni aussi. Il peut y avoir du déni, il peut y avoir énormément de choses. Moi, je veux dire, j'ai souffert de troubles du comportement alimentaire pendant 15 ans. Je vous dis ça maintenant, mais en fait, les mots sont faux. Les mots sont faux parce que j'ai eu des troubles du comportement alimentaire pendant 15 ans. J'en ai souffert pendant très peu de temps. Ça fait un an que j'en suis conscient. Donc finalement, il y a eu ce déni en fait, qui était extrêmement long, des signes, des symptômes, la dénutrition, des choses qui n'étaient pas du tout normales, qui étaient clairement pathologiques. Mais il n'y avait aucune remise en question parce que ça ne bouleversait pas mon quotidien. Quand ça a été bouleversé, c'est quand il y a eu vraiment de la souffrance intolérable. Ce qui est essentiel, du coup, c'est s'écouter quand il y a une souffrance, ouais. S'écouter quand il y a une souffrance. Et à partir de ce moment-là, cette souffrance, la prise de conscience, elle va te donner un déclic. Ouais, bah, le déclic c'est ça, le déclic. Ouais. Mais le déclic, c'est quoi? C'est flou, en fait. On va se dire, il y a un problème. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, du coup, on va aller chercher de l'aide. Ouais. Quand on cherche de l'aide, notamment en santé mentale, on va voir son médecin généraliste. Ouais. Souvent, c'est le premier recours. Médecin généraliste qui n'est pas forcément toujours très bien formé. C'est bah, ça. Moi, je le vois en c'est psychiatrie. Ça. C'est ça, qui n'est pas forcément toujours très bien formé sur les problématiques psychiatriques. Donc là, en fait, quand on va chercher de l'aide, on attend une clarification, en fait. On se dit, là, il y a un problème, j'aimerais bien savoir ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut faire. Quand on va consulter en premier recours, on va faire quoi? On va faire des examens, on va faire des batteries de tests, on va consulter des spécialistes. En fait, c'est une période qui est très longue, qui est une période d'incertitude. Ouais, finalement, c'est une question d'errance diagnostique. C'est ça, quoi, c'est ça. C'est, il y a une question d'errance très importante. Va, c'est ça. C'est, hyper, ouais. Ouais, c'est tout à fait ça. Et donc, finalement, après cette période d'incertitude, où on peut lever un peu le voile, il va y avoir quoi? Il va y avoir un diagnostic qui va être annoncé. Ouais. Un diagnostic, c'est quoi? C'est un mot, une construction humaine qui évolue au fil des années, au fil des nosographies. Et ce diagnostic, souvent, il est associé à des émotions qui sont négatives. Typiquement, en psychiatrie, si on vous annonce un diagnostic de trouble schizophrénique, vous avez l'image des films de tueurs en série qui va apparaître, etc. C'est-à-dire, mais en fait, moi, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas un tueur en série, ce n'est pas possible, en fait. Ouais. Donc, il y a ces émotions négatives de peur, de tristesse, de honte, de rejet qui peuvent, parce que c'est qui peuvent intervenir. Parce qu'il y a la société aussi. Enfin, on est malade, mais on est aussi malade dans une société avec tous les regards qu'on a. Moi, je suis d'accord avec toi pour la psychiatrie. Bien sûr, bien sûr. Il y a tellement d'idées reçues aussi pour lutter. C'est ça, et c'est pour ça que les professionnels qui sont formés sont vraiment propices à donner des informations qui soient fondées, qui soient utiles aussi pour le patient, parce que surcharger d'informations, ça ne sert pas à grand-chose non plus si elles ne sont pas intégrées, si elles ne sont pas comprises. Mais ce qu'on a tendance à faire aujourd'hui, c'est aller sur Internet. On va aller sur Internet, tomber sur des forums, et tomber sur des choses qui sont très catastrophistes, aussi, sensationnalistes, et qui font peur. Ça, qui font peur, parce que parler de quelque chose qui va bien, c'est chiant. Ce qu'on aime bien montrer, c'est les gens qui tuent, c'est les gens qui vont très mal. Enfin, oui, c'est ça. En fait, ça peut renforcer, ça peut renforcer vraiment ça, ce stigmate, en fait, et le poids des conséquences qu'on risque d'avoir. Et quand on remet aussi la casquette de chercheur, quand on a la connaissance de ces pathologies, des tenants et aboutissants, des conséquences qu'il peut y avoir, des limites, des clichés, ça apaise pas, en fait. Ça apaise pas ces émotions négatives. Ouais. Parce que finalement, on finit par s'approprier tout ça. On n'est plus dans la même relation, la relation de sachant ou la relation de personnes qui expérimentent. Finalement, ça peut même amplifier ces émotions négatives parce qu'on sait que telle prise en charge ne va pas forcément fonctionner, qu'il y a ses effets secondaires, etc. C'est comme les soignants malades. C'était un peu ce que tu disais avec le film, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que le diagnostic, vraiment, il faut garder en tête que c'est une étiquette qui est une entrée, une porte d'entrée dans le soin, mais qui a ses limites aussi. Hein. Voilà, un diagnostic, ça peut être mouvant à l'échelle intra-individuelle. Hein. On sait très bien que le trouble borderline, souvent, va être diagnostiqué comme un trouble bipolaire plusieurs années avant. C'est aussi, ça évolue au fil des années. Hein. On sait qu'en 87, l'homosexualité était encore une pathologie psychiatrique. Bien sûr. Donc ça bouge vraiment de partout. Et ce diagnostic, comme je dis, c'est une étiquette. Et l'étiquette, elle sert aussi à se redécouvrir. À se redécouvrir, dans un premier temps, on peut s'identifier à son diagnostic. Ça peut être assez problématique parce que, en fait, c'est surtout lié aussi à ce que tu disais, à la société, en fait, qui te renvoie toujours cette image, qui te sollicite uniquement par rapport à ta maladie. Voilà, t'es en soirée, tu n'es pas trop souriant parce qu'en fait, il t'est arrivé une merde dans la journée. Mais les personnes qui t'entourent savent que t'as une tendance à la dépression. Bah forcément, si t'as tiré la gueule ce soir-là, c'est ta dépression qui revient. Et en fait, on te renvoie en permanence, même pour des choses banales du quotidien, à ton diagnostic, à ta maladie. Donc ça, c'est assez négatif parce que ça diminue l'estime de soi, l'image de soi. C'est pas très favorable aux relations sociales, pour le coup. Et de l'autre côté, on peut aussi se donner l'objectif de combattre justement cette étiquette, de se dire, je vais devenir acteur de ma prise en charge et acteur de ma santé, en fait. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire participer aussi à la prise en charge. Parce que il n'y a pas le soignant, le soigné, c'est une collaboration, c'est un partenariat. Et cette relation de soins, justement, c'est utile de questionner cette asymétrie, justement, qu'on peut accepter ou décider de combattre, vraiment en partenariat avec son professionnel, et surtout adhérer au traitement, à la prise en charge, sans être
passif, sans être passif. Et c'est là que ça devient très difficile de séparer le chercheur du patient, parce que quand on connaît justement les traitements, comment ils fonctionnent, comment ils ont été créés, etc., ça peut être difficile. On peut anticiper justement des effets secondaires qu'on ne va pas avoir. Ça peut avoir un effet nocebo, finalement. on peut anticiper des difficultés qu'on sait que dans certains systèmes de santé, il peut y avoir. Mais finalement, il n'y a pas forcément d'études dans son système de santé. Donc, on va extrapoler des choses. Voilà, on a tendance à surgénéraliser. Et c'est là que c'est important aussi pour les professionnels de discuter des alternatives, des ajustements qui sont possibles. Typiquement, moi, quand je consultais un psychiatre en CMP pour mes troubles du comportement alimentaire, il me prescrivait des traitements qui étaient à l'opposé des recommandations sanitaires. Mmh. Je connaissais les recommandations, je lui disais, je lui apportais les papiers de la HAS, il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Et donc, c'était assez problématique. Non, mais ça montre que là, on est aussi dans un changement de paradigme. Bien sûr. C'est que, je veux dire, les patients, ils sont aussi là pour collaborer, comme disais, avec nous. L'idée, c'est que, justement, on soit dans la même dynamique et que le patient aille mieux. Donc, c'est à faire ensemble. C'est ça. Et donc, je parlais de l'identification, justement. Hannah Arendt disait que pour être confirmée dans mon identité, je dépends entièrement du regard des autres. Et typiquement, c'est ça. Hein, quand on t'identifie en permanence comme un malade, ben, ton estime de soi, elle dégringole, en fait. Parce que tu n'es plus une personne humaine. Tu es une maladie ambulante. Tu es un virus sur pattes. Ou tu es un cerveau malade sur pattes. Donc, c'est difficile de sentir bien dans son corps, dans sa tête. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre qu'on n'est pas tout seul, en fait. Même si son expérience, elle est unique, elle est propre, elle nous appartient, on n'est pas seul là-dedans. Mais pour ça, il y a besoin de soutenir typiquement les personnes de manière émotionnelle, psychologique. Et ça, en fait, on fait comment? Où est-ce qu'on trouve ce soutien psychologique? Il y a deux écoles, même trois, en fait, si on veut faire le mix des deux premières. Il y a ceux qui vont aller en parler à leurs proches, en pensant que voilà, ça va résoudre des problèmes, etc. Et ceux qui vont aller en parler à des professionnels de santé. Donc les premiers, souvent, ont beaucoup d'attentes par rapport à leurs proches. Leurs proches peuvent être un soutien affectif, mais surtout pas une prise en charge. Hein. Un proche n'est pas forcément équipé pour entendre parler de la souffrance. Il n'est pas là non plus pour proposer des solutions. Mais il y a ce lien affectif qui fait qu'on va essayer en fait, d'apporter des solutions, ce qui n'est pas du tout pertinent dans ce cas-là, en fait. Et du coup... Ça pose la question des soignants et des aidants. Bien sûr. Sont vraiment un gros soutien, quoi. Bien sûr. Et du coup, de l'autre côté, il y a les professionnels de santé qui, eux, sont équipés pour accueillir cette souffrance, pour proposer typiquement des prises en charge, voire des solutions quand elles existent. Mais le mi-chemin est bien aussi, puisqu'on peut trouver justement dans l'un et l'autre un soutien qui peut être nécessaire. Typiquement, chez les professionnels de santé, tout ce qui va avoir trait à la prise en charge, aux symptômes, au fonctionnement psychosocial. Et chez les proches, voilà, un peu de la compréhension, de la bienveillance. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas mélanger les deux. Enfin, il ne faut pas confondre les deux. On peut mélanger les deux, mais pas confondre les deux. Mais là aussi, il y a un problème qui est que parler, c'est s'exposer à la stigmatisation. Quand vous allez parler d'un diagnostic psychiatrique sévère à vos proches, vous allez leur dire, là, on va diagnostiquer un trouble bipolaire. « Ah ouais, mais ça veut dire que t'es cinglé, tu vas changer d'humeur tout le temps. » Voilà, il va y avoir plein d'images en fait, qui vont être associées comme ça. Et cette stigmatisation, on la vit intensément, avec le risque de s'auto-stigmatiser. On va s'approprier le stigmate que les autres, finalement, nous renvoient. Parce que s'il y a 60 millions en France de personnes qui nous disent que t'es un cinglé, moi, tout seul, je suis qui, en fait, contre ces 60 millions de personnes, pour dire que c'est faux. Non, puis ça touche beaucoup plus les maladies mentales que d'autres pathologies. Bien sûr. Quoi, je pensais, on ne va pas dire quand tu es diabétique, on ne va pas venir te juger demain. Et encore, ce n'est pas vrai, parce que alors moi, j'ai été animatrice de colo, justement, à l'AJD, c'est l'association des jeunes diabétiques, où en fait, ils engageaient des étudiants en médecine pour faire de la prévention et justement de la promotion un peu de la santé avec les jeunes diabétiques. Et en fait, j'ai découvert énormément de stigmatisation, mais horribles qu'on peut leur dire quand ils sont tout gamins, du style... Enfin, je ne vais peut-être pas le dire d'ailleurs, c'est pas la peine. Et j'ai vu aussi la construction en fait, de son parcours en tant que jeune malade chronique. Et effectivement, c'est ce que tu disais, c'est comment on se construit aussi en tant que patient quand on a toute cette histoire. Et je trouve que c'est un parallèle qui est aussi hyper intéressant à faire. Alors, pas effectivement sous le même angle, mais il y a aussi cette idée que nous, en tant que jeunes soignants, on se construit aussi dans cet univers, en tout cas, lié à la maladie. Et que ça nous impacte forcément aussi dans notre trajectoire personnelle et professionnelle. Bien sûr. Et on en fait quoi de cette image négative de soi qui est renvoyée par la société? Ce qui est possible de faire, c'est avec beaucoup de travail, ça prend de la patience, ça prend beaucoup d'efforts, c'est de s'affirmer, en fait, s'affirmer comme un être humain qui a une maladie, et non pas comme un malade qui vit. Ouais. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est se battre pour ça, mais il faut être outillé pour ça, il faut avoir l'envie de le faire, c'est très compliqué face à beaucoup de personnes de s'affirmer comme ça, de dire je suis un être humain et je vous emmerde, en fait. Ouais. Certes, j'ai une maladie, mais vous aussi, un jour, vous aurez une maladie. Voilà, et c'est vraiment ça. C'est hyper intéressant, c'est hyper fort ce que tu racontes, parce que c'est aussi le podcast que toi, tu as fait sur les mots bleus, et c'est ça, c'est la question de comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'outiller en tant que patient. Et je pense que ton podcast, il est hyper transversal parce que même moi, typiquement, en tant que psychiatre, j'ai pu l'écouter et ça m'a apporté plein de choses sur un regard que peuvent avoir les...
les patients. Et d'ailleurs, Laurent, je voulais te poser aussi un peu la question du lien entre patients et famille. On en parlait un petit peu là, sur la question des aidants. Je ne sais pas si toi, ça te parlait un peu. Moi, ce que je voulais surtout dire, c'est vrai que c'est cette question de... Bon, toi, tu nous fais le récit, justement, de tout un parcours. Et en fait, qu'est-ce que... Ben, je pense que les podcasts, c'est vraiment extrêmement utile pour les soignants, enfin, pour n'importe quel concitoyen, d'ailleurs, ou personne qui vit dans cette société, parce qu'on peut, justement, ouvrir cette partie-là de notre imagination, en fait, de se dire, voilà, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ah bon, c'est comme ça que ça se passe? Parce que finalement, ce qui se dit, c'est quelque chose de tout à fait partageable. Après, si on ferme la porte et qu'on ne veut pas ni être attentif, par exemple, ou ni être capable d'imaginer quelque chose, ben, on va rester comme un homme grenouille, quoi, en fait, face à n'importe quel film, podcast ou récit. Ouais. Mais l'idée, c'est que si on arrive à... Ben, grâce à des podcasts comme ça, en fait, la santé peut changer. Enfin, la santé, la manière de faire ce métier. Et c'est un peu un complément de la recherche qualitative où on donne en fait enfin la voix à des personnes qui ont vraiment vécu cette situation et qui ont d'autres choses à dire que celles que nous, les médecins, on pouvait penser. Enfin, moi aussi, je suis patiente d'autres choses. On est tous des êtres humains. Oui, hein. On est tous médecins, patients, etc. Mais bon, disons que en fait, on se positionne quand même de manière du côté soignant quand on est dans notre profession. Et c'est très important d'avoir accès, en fait, à cette voie-là. Les mots qui sont utilisés, c'est des mots qui vont nous toucher. Enfin, c'est une conversation, en fait, dans laquelle on peut se retrouver tout à fait. Et la manière dont la personne apparaît par le langage, cette liberté-là de dire, bon, j'ose parler, je ne sais pas encore ce qui va sortir, mais je mets ça sur la table... Eh bien, en fait, c'est une forme de générosité aussi, je trouve, pour la société. Parce que qui de la société a un avantage à rester fermé comme ça? Enfin, ça n'a aucun sens, en fait. Il y a une espèce de malentendu qui continue à exister quant aux maladies prises en charge par la psychiatrie, qui ont une histoire. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas que la psychiatrie. D'ailleurs, Jérémy, je ne sais pas si ça te parlait un peu, la question justement de créer du contenu, pour, c'est un peu l'idée, quoi, pour parler d'un peu des sujets qui touchent à cœur. Justement, tu parlais d'aller faire des recherches sur les réseaux et de tomber. Mais l'idée, justement, c'était de créer des vidéos, mais bien sourcées, avec la bonne bibliographie qui va bien, justement, pour que si un jour les patients, il y a des patients ou des personnes qui se posent des questions, elles aillent chercher, qu'elles aient les bonnes informations aussi, et d'avoir le contenu le plus transparent possible. Et là, ce qui rejoint le domaine de la psychiatrie auquel je pense, et je pense que je vais faire quelque chose, c'est au niveau de l'addictologie, parce que j'avais fait récemment, il y a eu un problème sur de l'héroïne frelatée qui a circulé en Seine-Saint-Denis. J'ai fait un sujet dessus, et les gens disaient... mais pourquoi, enfin, on s'en fout, ces gens, ils vont se piquer, c'est leur problème, ils ont choisi de faire ça. Et en gros, c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, dans ces cas-là, va dire la même chose. Enfin, pourquoi ton discours est différent entre une personne qui est addict à un produit, peu importe le produit, parce qu'il y en a plein, et quelqu'un, justement, je pense pas que ça traverserait... Bon, là, t'es en train de me dire que si, du coup, mais de dire ça à un diabétique, par exemple. Oui, et pourquoi, pourquoi le somatique existe, mais le psychiatrique n'existe pas. Et ça, c'est un vrai sujet, effectivement. Et je pense qu'en France, on a encore un... Comme tu disais, ça fait peur, mais parce qu'on n'en parle pas assez. Et moi, si j'avais les connaissances, mais j'ai absolument pas les connaissances en psychiatrie pour le coup, de vulgariser, en fait, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui fasse le travail que font les vulgarisateurs comme moi en somatique, qui fasse exactement la même chose en psychiatrie. Parce que ce serait... L'idée ce soir, c'était aussi, comme vous le disiez, de mettre en valeur des initiatives qu'on trouve hyper positives, hyper intéressantes. Et donc, je te remercie vraiment pour ta chronique, Mickaël. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter ensemble et puis de se revoir. Et puis, donc, si ça intéresse nos téléspectateurs, ou je sais pas comment on dit aujourd'hui, nos viewers, on pourra retrouver du coup tous tes podcasts sur Les Mots Bleus, sur toutes les plateformes de podcasts. Et puis aussi dans ton livre, Vivre avec un trouble de santé mentale. On te remercie en tout cas, Mickaël. Merci beaucoup. Merci. Et à la prochaine. Salut. Salut.
moi j'ai trouvé ça hyper intéressant justement le côté comment ouais. aujourd'hui on décloisonne un peu ce rapport entre patients et soignants et je pense que en vrai c'est aussi un sujet entre les soignants les soignants parlons-en ouais et justement en fait en préparant un peu l'émission on avait surtout discuté avec toi Jérémy aujourd'hui on a un peu l'impression qu'on a vraiment un clivage entre les médecins et les paramèdes pas tant les pharmaciens mais je crois que c'est un peu les médecins tout seuls et le reste. Et il y avait un peu cette question qu'on s'est tous posée. Ouais, ça concerne tous les métiers. Ouais, bon, ça concerne tous les métiers, ça c'est vrai. Mais je pense qu'il y a un peu aussi le côté que notre génération à nous, elle a envie de porter des messages un peu différents et justement de collaboration, parce que je pense que c'est un peu ce qui est au cœur de l'émission là ce soir. Et vous, c'est quoi un peu vos solutions? Comment vous voyez les choses pour recréer du lien justement entre les médecins et le reste des professionnels? Il y a plein de leviers possibles, mais moi le premier levier, mais je crois quand même pour le coup on n'avait pas forcément discuté, mais c'est qu'on est très décloisonné entre nos parcours. En médecine on fait la fac de médecine, les infirmiers on fait ça, et en fait on a très peu de choses en commun, donc déjà c'est pas le cas dans tous les autres pays par exemple, donc déjà en fait on se connaît très peu et on connaît peu le métier de l'autre, et je pense qu'il y a aussi une grande méconnaissance du métier d'infirmier par les médecins qui en fait le découvrent sur le terrain et qui aussi le découvrent au gré de leur ressenti et des différents infirmiers qu'ils vont avoir en face d'eux, et qu'en fait des fois ils vont pouvoir se faire une impression du métier à travers un jugement purement là où on met des émotions en fait, et que déjà si on avait des accueils communs par exemple entre les internes et les étudiants infirmiers, et d'ailleurs ça se fait dans quelques hôpitaux, j'ai vu ça, ça commence à se développer, mais après ce sera de toute façon je trouve qu'on se construit, on s'apprend en étant étudiant, c'est là qu'on apprend à se connaître, etc. Pour arrêter les clivages déjà, ce serait de vraiment en fait discuter et dans les deux sens. Moi par exemple, depuis que je suis diplômé infirmier, quand je vois par exemple un externe, il y en a plein qui disent c'est l'externe, de toute façon il va changer dans 3 mois, on n'apprend pas leur prénom, de toute façon et moi à chaque fois je reprenais mes collègues en disant en fait c'est une personne, et en fait et en plus vous participez au clivage en faisant ça parce que cette personne là elle va grandir, elle va devenir un jour interne, elle va devenir un jour médecin, et elle va reproduire, en fait on garde ça depuis des années et des années, donc en fait on doit être actif de notre côté, et moi pour le coup alors je dis pas que je connaissais tout les prénoms des externes parce qu'on n'est pas amené à les voir souvent, mais par exemple, alors les internes par exemple, je sais qu'il y en a à la fin du semestre des collègues qui connaissaient pas les prénoms de tous les internes, et ça c'est terrible, et justement ça revient d'aller discuter au-delà du travail, d'aller connaître leur vie, et encore moi j'ai fait que des services où on est très proche, en réanimation, aux urgences, au SAMU, on est hyper proche, il y a moins ce clivage, il y a encore des services où on voit le médecin. Il y a encore du bloc opératoire, et je vois Mickaël qui est dans le chat, qui est infirmier anesthésiste aussi. On vous voit le médecin, mais alors qu'on est collègues, c'est là tu mets une barrière, pour le coup on parle de clivage, là tu mets une barrière massive entre les deux personnes. Mais même je trouve qu'en tant qu'architecture de là où on travaille, moi j'avais fait mon tout premier stage dans un service où le poste de soins était commun avec les médecins et les infirmiers. Donc en fait on discutait tout le temps, et donc moi je trouvais ça hyper chouette, et en fait je me rendais pas compte que c'était pas si fréquent que ça, d'avoir un moment où on est tous ensemble. Parce que, mine de rien, aller à l'autre bout du couloir pour aller papoter ou pour aller juste discuter de la prise en charge de façon globale, on ne le fait pas forcément. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est comment aujourd'hui on pense aussi, on construit l'environnement de travail dans lequel on est pour justement associer et les médecins et les paramédicaux. C'est celle de pause commune déjà. Ça, c'est pas le cas de partout, mais ça doit être obligatoire de prendre ses repas ensemble. Et ça, je trouve ça hallucinant que ce ne soit pas le cas. De faire des sorties, après, il y a toutes les sorties de services. Pareil, aux urgences, en réa, en général, c'est des services où on arrive à organiser des choses à côté. Mais c'est vrai que dans le privé, dans l'entrepreneuriat, on parle beaucoup de team building. Il y a beaucoup de choses qui sont organisées. Il y a des escape games, des sorties. Ça, dans le public, ça existe beaucoup moins, en fait. Alors que c'est tout aussi important, et même peut-être encore plus important, d'avoir une cohésion d'équipe dans une équipe qui est amenée à prendre en charge une vie sur des situations d'urgence vitale, par exemple, que des entreprises à côté. Si c'est fait dans les entreprises, ça devrait être fait dans l'hôpital public. Ça me permettrait au quotidien de décloisonner beaucoup de choses aussi. Tu voulais réagir C'est vrai que pour moi, l'équipe, c'est ce qui me permet aussi de tenir à l'hôpital. J'en ai parlé au début. Mais sans équipe, si je devais travailler toute seule ou être envoyée par-ci, par-là, dans des endroits différents tout le temps...
ça n'aurait pas de sens pour moi. Enfin, j'arriverais même pas à me ressourcer par rapport à ce qu'on a dit que ça pouvait nous épuiser, etc., de faire cette profession-là, si on n'avait pas cette compensation-là de l'équipe. Et du coup, mais chez nous, c'est vrai qu'on essaie de travailler vraiment sur ce que chacun peut apporter, en fait. En réanimation, c'est comme tu disais, c'est moins compliqué, je pense, parce qu'on est vraiment en train d'être interdépendants tout le temps. C'est-à-dire, si on veut que quelque chose se passe et qu'on a besoin les uns des autres, en fait. On s'entraide tout le temps. On est à plusieurs sur un geste. Ça va être sur les transmissions. S'il y a encore... alors, dans les étages, pour le coup, c'est plus compliqué. Dans les services classiques, il y a beaucoup de transmissions séparées. Les transmissions, les staffs, tout le monde devrait être là sur les staffs. C'est pas normal qu'il y ait encore des staffs où il n'y ait pas les infirmiers qui voient tous les jours les patients. En fait, l'institution et l'ancestralité, je sais pas si c'est le côté vieux, induit plein de choses, plein de clivages. La couleur de nos badges, est différente, les tenues sont différentes. Non, mais bien sûr, en fait, il y a plein de choses qui nous mettent dans des cases. Et mais c'est là où on peut aussi vivre sans ce clivage-là. Enfin, nous, on le vit, je pense. Enfin, moi, je le vis tout à fait. Et dans différentes équipes, j'ai pu vivre ça. C'est une question aussi de savoir ce que l'autre peut apporter et de discuter, en fait. Ouais. Chacun a un regard différent. Enfin, c'est vrai que nous, on est beaucoup moins directement en prise avec un enfant. L'infirmière, elle va voir vraiment comment il a évolué, etc. Elle le connaît bien, quoi. Donc, la visite, l'infirmière intervient, en fait. Ou l'infirmier, il vient nous dire, non, mais là, il y a un truc qui s'est passé, vous n'avez pas vu, mais bon. Et en fait, mais je pense que dans tous les services, on pourrait avoir aussi... Enfin, ça pourrait se faire, en fait. Ce n'est pas seulement dans les services où on est techniquement... ou même humainement interdépendant, n'importe quel service devrait être géré comme ça, en fait, maintenant. Mais peut-être que c'est en train de se développer. Dans les commentaires, il parlait de vestiaires séparés, des tenues différentes. C'est vrai qu'il y a la question de l'uniforme qui n'a pas trop de sens, en vrai. Alors, OK, on peut se présenter aussi en tant que médecin ou en tant qu'infirmier, ça ne change pas grand-chose. Mais moi, ça me questionne énormément, tu vois, cette question de la blouse. Parce que, d'ailleurs, avec quelques copains qui sont là de la bande, on avait créé une asso qui s'appelait Derrière la blouse, où justement, l'idée, c'était d'aller voir le professionnel en tant que tel, et pas juste la question de l'uniforme et de dépasser l'uniforme. Et d'ailleurs, on avait monté un podcast pendant le Covid qui s'appelait Transmission, qui justement c'était l'idée de créer une vraie parole interprofessionnelle, parce que je pense qu'il y a un peu cette idée-là, quoi. C'est comment aussi on recrée un esprit d'équipe vraiment global au sein de l'hôpital et dans nos services. Je suis sûr que partout, à plein d'endroits, il y a plein d'initiatives dont on ne connaît pas forcément. Il ne faut vraiment pas hésiter à les repartager. La médecine narrative, c'est une des initiatives ça regroupe des professionnels de différentes professions autour d'une table dans un atelier. Ils sont toujours les mêmes. Et en fait, ça permet de se retrouver, de se connaître en fait, différemment dans l'institution. Et puis je pense que ça pose aussi la question de l'évolution des métiers. C'est vrai que c'est un peu le sujet chaud du moment. Je sais pas si toi t'avais envie de réagir là-dessus sur la question aussi de l'évolution des métiers au sens large, que infirmier, mais Il y a plein de choses qui sont en train d'être faites. Du coup, le ministère a annoncé qu'on allait refonder le métier d'infirmier. Et en fait, moi pour le coup, donc depuis que je suis sur les réseaux, un des leviers que je veux avoir, c'est justement de porter aussi, de montrer que la profession infirmière, elle a beaucoup évolué, contrairement au... Alors, il y a la représentation des politiques, il y a la représentation du grand public, de l'infirmier ou de l'infirmière, en l'occurrence, parce qu'on reste une profession très féminine, donc c'est de l'infirmière qui est la petite main du médecin, par exemple. Il y a encore beaucoup ça. Et dans ce que je fais sur les réseaux, je veux montrer que non, aujourd'hui, les infirmiers font de la recherche, les infirmiers passent des doctorats, les infirmiers peuvent prendre des décisions. Et du coup, moi, ce que je dis toujours, et c'est... Bon, j'ai créé une vidéo, mais que j'ai jamais sortie, parce que c'est très compliqué et très touchy comme problème. Mais pour moi, la profession infirmière, il y a deux grandes problématiques à la profession infirmière. C'est justement la profession infirmière en elle-même qui, des fois, a tendance à se dévaloriser ou qui, justement, a fait infirmier dans un but juste d'exécuter. Il y a des personnes qui sont très bien là-dedans. Et donc ça, forcément, ça nivelle vers le bas la profession. Et il y a aussi le grand problème du corps
corporatisme médical en France, comparé à quand on regarde dans le monde entier. Enfin, corporatisme au sens large. Oui, au sens, ouais, bien sûr, de chaque médical, profession. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'essaie, justement face à ce corporatisme-là, moi j'essaie de ne pas en faire avec ma propre profession. Ouais. C'est-à-dire que oui, je peux parler de les professions des infirmiers anesthésistes, ouais, je pourrais parler de plein de problématiques, mais je préfère mille fois parler de la profession infirmière dans sa globalité. Mmh. Et justement, pas tomber dans le corporatisme, mais justement montrer que le métier d'infirmier, il est en train d'évoluer et qu'on, ouais, il y a encore un plafond de verre, on parle en économie, voilà, mais qu'on se le prend plein de mal, ouais, tout le temps et qu'on pourrait complètement évoluer plus que ça. Mais c'est hyper intéressant ce que tu racontes, parce que c'est aussi la question des infirmiers en pratique avancée, qui est un métier qui est en train de se développer actuellement. Oui. Là, il y a pas mal de champs de compétences qui ont été ouverts. Donc, infirmier en pratique avancée, c'est le fait, bah, tu en parleras peut-être mieux que moi. Il y a plusieurs champs, c'était beaucoup lié sur les maladies chroniques, la pathologie chronique, aussi, ouais, voilà, et il y a la psychiatrie, ouais, pareil, on a refait enfin une spécialisation, ouais, du métier d'infirmier qui en psychiatrie, qui est un métier complètement différent. Moi, je le dis, j'y connais absolument rien en psychiatrie, et je serais absolument pas compétent. Mmh. Alors que demain, si je voulais y aller, je pourrais être embauché dans un, ouais, service de psychiatrie. Bah, pour le coup, moi, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec des infirmiers, infirmières d'ailleurs, en pratique avancée en psychiatrie, mmh, dans mon ancien service à Robert Debré, et c'était hyper intéressant justement de voir ce côté transversal, parce que elles étaient aussi là plus à temps plein sur la question de l'urgence psychiatrique, et elles étaient vraiment là pour nous aussi nous étayer, nous, en tant qu'internes. Mmh. Et en fait, c'est là où tu vois qu'il y a une vraie complémentarité au niveau du travail, quoi. Mmh. Et que, en fait, quand on sort de son champ de compétences, voilà, on peut aussi se spécialiser dans une compétence en particulier, et c'est ça qui est hyper riche. Ben, c'est ça, et qu'en fait, on a du retard quand on regarde d'autres pays comme le Canada, bien les sûr, pays anglo-saxons, on a énormément de retard sur la profession, mmh, infirmière, donc les pratiques avancées, ils s'inscrivent sur un truc un peu mondial, justement, mmh, d'évolution, et de montrer qu'en fait, y a plein de choses qu'on peut faire nous et qu'on peut apporter, mmh, en complémentarité du médecin, parce qu'il y a cette grande peur qu'on remplace en fait, les médecins, qu'on mange sur les compétences. Il y a vraiment un truc. En fait, c'est vrai que c'est hyper ouvert. Voilà. Et d'ailleurs, ça m'intéresserait d'avoir ton regard, Laurence, parce qu'il y a un peu cette idée aussi que c'est générationnel, peut-être, tu vois, que là, c'est aussi des nouveaux métiers. Mmh. Et toi, avec ton côté, avec à la fois plus d'expérience et aussi à la fois de voir un peu l'évolution de ces nouveaux métiers, qu'est-ce que tu en penses, toi, et aussi en tant que médecin? Mais moi, je pense qu'il y avait déjà des infirmières qui se comportaient comme des infirmières en pratique avancée, ouais, avant même d'avoir la formation, le titre, parce qu'elles se sont formées, en fait. Elles ont une expérience. On voit ça en réanimation, on voit ça en pédiatrie, sur tout ce qui est les maladies chroniques, etc. Bon, c'est ce champ-là que je connais le mieux. Mais donc maintenant, il faut formaliser tout ça, oui, c'est vraiment très utile. De toute façon, moi, je pense que la profession infirmière, elle va évoluer énormément, que tout le monde va s'en saisir, en fait. Mmh. Parce que c'est des métiers qui vont changer. Le métier de médecin, de toute façon, il change aussi. Ouais. Mmh. Enfin, c'est vrai que moi, je suis d'une génération où, en fait, on reste souvent dans la même spécialité à l'hôpital, ouais, pendant des années, quel que soit ce que ça nous coûte, entre guillemets, et ce que ça nous... Enfin, nous, on est des gens passionnés, on compte pas l'effort, etc. En fait, à un moment donné, il y a des gens qui s'épuisent, quoi, avec un système pareil. Ouais. Surtout maintenant qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis à la retraite et qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont revenus. Parce que, bon, il y a eu moins de médecins formés par rapport aux besoins qu'on a actuellement. Mmh. Et on a besoin de complémentarité. Mmh. Moi, je dis, c'est ce qui va nous sauver. C'est ce qui va sauver le système de soins. Bon, après, former plus de médecins aussi, évidemment. Bien sûr, parce qu'on en a besoin. De toute façon, infirmiers en pratique avancée, il y en avait déjà. Enfin, ouais. Ouais. Et là, ça va se formaliser. Il y aura un savoir qui va être transmis, qui est vraiment bien décidé. Ouais. Oui, puis il y a aussi l'idée que on a aussi plusieurs vies, quoi. C'est-à-dire que là, le système nous montre, enfin des études en tout cas, que effectivement il faut choisir sa sur-spécialité hyper jeune, hyper précoce, alors qu'en fait la vie c'est long et il s'y passe plein de choses, quoi. Enfin, moi je sais qu'à titre personnel, j'adore le journalisme, c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai rejoint l'équipe, mais en fait la psychiatrie ça me plaît énormément au niveau de la médecine, et puis il y a aussi tout ce qui est les actions en faveur de la santé publique, moi qui me plaisent beaucoup. Donc en vrai, c'est vrai qu'il y a cette idée que on verra, quoi. Oui, de toute façon, on est toujours en train de construire sa vie. Et on est responsable d'utiliser cette liberté-là pour faire ce qui a du sens pour nous au fur et à mesure de notre maturité. Et puis, le clivage entre vie à l'hôpital ou vie professionnelle et vie privée. Enfin, moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qu'on fait professionnellement et des choix déterminants pour notre vie professionnelle qui viennent de choses qu'on a vécues dans notre vie privée. Après, on ne va pas en parler à tout le monde et tout ça. C'est juste que ça fait partie de notre parcours, en fait.
on rencontre une situation, après ça va changer notre façon de voir la médecine ou de changer, ça va changer notre... C'est aussi la question de valoriser aussi toutes ces actions-là, parce qu'il y en a plein qui du coup commencent à dériver. En fait, c'est la question de on nous force à nous faire rentrer dans les cases. Et ça, c'est un très très gros problème. Oui. Et de temps en temps, quand il y a un professionnel qui dit moi j'ai envie de... Voilà, de peut-être un peu calmer, s'autoriser et dire on part sur 4 jours semaine, enfin voilà, s'ouvrir vraiment sur... C'est le grand débat de la médecine générale en ce moment. Je trouve que le meilleur exemple, la meilleure transformation de la médecine se voit à travers la médecine générale, où justement c'est terminé, les médecins généralistes qui faisaient 80 heures semaine et qui se tuaient à la tâche. Là, les jeunes, moi j'ai plein, tous mes amis qui ont choisi médecine ont fait médecine générale, et en fait tous ont envie d'avoir une vie de famille à côté. Il y a beaucoup cette notion, en fait, on voit que globalement, il y a plein de choses qui ont changé en termes de générationnel qui concernent tout le monde, et ça affecte aussi la santé. Et il y a aussi plein de choses aussi dans les manières d'approcher. Et comme tout évolue dans le temps et comme tout a évolué dans le monde à travers les professions, il y a plein de professions qui enrichissent leurs compétences et qui, en fait, on voit que ça marche comme ça. Et du coup, il y a beaucoup de médecins aussi qui sont demandeurs de se recentraliser sur le pourquoi ils ont fait médecine, c'est-à-dire le côté diagnostic, ce côté-là, etc. Et du coup, en fait, d'accepter de lâcher aussi ce côté-là qui peuvent être faits par d'autres professions, comme tu disais, de manière... Il y a toujours des choses intéressantes à bien faire. On bondit. Il y a Loul qui nous partage un peu un témoignage. N'hésitez pas à nous en partager d'autres. Mais c'est vrai que c'est cette question qui était aussi l'un des objectifs de ce qu'on est en train de faire là. Oui, c'est ça. Parce que l'idée, c'est pas de se dire... Parce que là, je voyais effectivement le témoignage qui disait il y avait la question avec les généralistes. Je pense que, en tout cas, moi, je n'ai pas d'avis particulier sur le sujet, mais c'est se dire aussi que là, on assiste à une évolution des métiers. Et c'est aussi se dire comment on la prend de façon intéressante, positive, qu'est-ce que ça nous apporte. Et qu'effectivement, alors après, il y a des considérations économiques, politiques, structurelles, organisationnelles. Mais je pense que là, c'est aussi se dire sur le terrain, comment est-ce qu'on construit avec tous ces outils-là, quoi, qui sont hyper importants. Justement, ce qui marche, c'est d'écrire ensemble. Et le problème, c'est que pendant des années, ça a été le séparé, et c'est le médical décide pour l'avenir des infirmiers, c'est-à-dire pendant des années. Et là, on est en train d'assister enfin à un début d'émancipation. À un début, on commence à parler de la recherche par les infirmiers. Par exemple, dans d'autres pays, ça existe. C'est hyper développé et c'est enfin en train d'évoluer, etc. Mais du coup, effectivement, pendant des années, on a beaucoup décidé pour nous. Et aujourd'hui, c'est ça qui est en train d'un peu évoluer, c'est qu'on est en train de décider aussi de montrer ce qu'on vaut et ce qu'on est capable de faire. Et du coup, ça change beaucoup de choses. Et toi, justement, Laurence, dans ton service, comment est-ce que tu pratiques, comment est-ce que tu exerces avec d'autres métiers, comment ça se passe concrètement? On a une volonté, ça fait 20 ans que ça fonctionne comme ça, c'est un peu ce que disent les infirmières, c'est l'ADN du service. Je ne sais pas si on peut appeler ça un système anti-hiérarchique. À un moment donné, ça va être évoqué dans les discussions qu'on avait avec les autres professionnels du service. Mais l'idée, c'est que chacun peut apporter quelque chose, en fait, parce qu'on a chacun notre personnalité. On apporte aussi quelque chose de l'extérieur qui va nous toucher, qu'on va pouvoir partager avec nos collègues et tout ça. Et il y a une entraide, et c'est vraiment là-dessus, et sur la complémentarité, évidemment, que tout est basé, en fait. Donc la visite, par exemple, le matin... L'infirmière peut être là pour nous dire, mais non, en fait, tu dis qu'il s'est passé ça, mais en fait, tu sais, à 8 heures, il a fait un gros malaise. Enfin, en fait, il y a vraiment une complémentarité des savoirs sur le patient. Et qui est au centre, en fait, au milieu de tout ça? C'est le bébé, en fait. Chez nous, c'est ça qu'on dit, c'est le bébé qui est au centre. Et si le bébé est au centre, tout le monde gravite autour. Tout le monde a un savoir complémentaire sur ce bébé, y compris les parents. Parce que nous, en pédiatrie, c'est vrai qu'on a aussi les parents. Ces parents-là, ils nous font comprendre que on peut rien faire tout seul, en fait, quand on est pédiatre. De toute façon, donc on est déjà habitué à, si on est un pédiatre moderne et pas quelqu'un qui n'a pas compris, mais en France, en général, maintenant, c'est comme ça, c'est qu'on travaille avec les parents. Les parents, ils savent énormément de choses, ils sentent des choses chez leur enfant. Et puis, il y a l'infirmier, l'infirmière, on est une équipe, en fait. Et cette équipe, elle est large. Il y a l'assistante sociale, il y a les psychologues, la psychiatre, tout le monde est là, quoi, en fait. Mais justement, du coup, tu parles de prise de décision au sein d'une équipe. Là, on vient typiquement d'avoir la question, puis c'est bien parce que tu es médecin, donc on te pose. Est-ce qu'il faut, du coup, que le médecin il garde seul le rôle de décideur dans tout le système qui est en train d'évoluer? Décideur de quoi? Ça dépend, en fait. La question que j'ajoute après.
C'est bien, les échanges se font dans le chat. Mais je pense que, de toute façon... Ben, un médecin qui doit décider tout seul, je ne sais pas comment il fait. Enfin, ça dépend. Ouais. Déjà, il ne peut pas décider sans le patient. Si le patient sait parler, si le patient est en réanimation, il ne peut rien décider sans la famille, sans les infirmiers qui sont autour. Non, un médecin, ça ne doit pas décider tout seul. De toute façon, personne ne dit que le médecin doit décider seul. Après... Ce serait une discussion qui prendrait plusieurs heures, je pense. C'est enfin moi je trouve ça en cancérologie, qui est le domaine que je connais un peu plus, il y a les réunions concertation pluridisciplinaires, et là je trouve ça dingue parce qu'il y a vraiment tout le monde qui est autour du patient et la décision dans ces RCP, elle est vraiment collective, quoi. C'est vraiment, je trouve, un exemple. Chacun est là pour donner son expertise. Les infirmiers sont là. De temps en temps, il y a aussi l'assistante sociale, même des fois sur des patients qui peuvent être un peu plus compliqués. Et c'est vrai que c'est fou parce qu'il y a une décision globale qui est prise de l'ensemble de l'équipe pour orienter le patient. Je pense que si tous les médecins avaient ce discours-là, on évoluerait beaucoup plus. C'est super parce que dans ce que tu dis... On est à l'inverse du... moi, c'est encore quelque chose que j'ai entendu il n'y a pas si longtemps que ça. C'est moi le médecin, c'est moi qui décide. Cette phrase-là, elle est terrible parce que justement, quand on est en train d'avancer un argument de... Il faut faire attention quand le médecin dit ça, ça veut dire qu'il se défend, en fait. Bien sûr. Mais probablement qu'il n'est pas tout à fait sûr. D'ailleurs, Jérémy, j'avais envie de te poser... Vous voyez. Pardon, excuse-moi. Du coup, il y a un pseudo sur la table, quand même. Et justement, je voulais te poser la question parce que tu avais une histoire à nous raconter sur ce stéto et ton rapport à la médecine. Alors, c'est pas exactement ce stéto, mais j'avais que celui-là. Mais l'histoire de quand on parle de clivage et de cases, etc., c'est que moi, mon meilleur ami, mon ami d'enfance, quand il est rentré en médecine et en externat, je lui ai offert un stéthoscope. Et lui m'a offert exactement le même stéthoscope, c'est un peu le symbole, enfin, il s'en est servi toutes ses études, c'était le meilleur outil que je pouvais lui offrir. Et en fait, moi, quand je suis rentré en école d'infirmière anesthésiste, il m'a aussi offert un stéthoscope, parce que nous, on ausculte quand on intube, on peut ausculter en SAMU, etc. Et bien, je ne l'ai jamais porté avec moi en intervention, parce que justement, en France, on a encore trop ce clivage, pour le coup, de dire le stéthoscope, c'est le symbole du médecin. En fait, ça reste un outil comme un autre, comme on pourrait prendre... on commence à faire des échographies, enfin, pour poser des voies veineuses, on commence à en faire. Mais au final, c'est un outil de travail comme un autre. Et c'est vrai que dans le représentatif et dans l'imaginaire, la personne qui porte le stéthoscope, c'est l'autorité médicale. Et du coup, par peur du regard de mes collègues, alors que ça reste un... Je me suis déjà retrouvé emmerdé à aller chercher le vieux stéthoscope du camion pour ausculter un patient, alors que je pourrais avoir le mien dans ma poche. Mais dans ce que ça renvoie, en France encore une fois, en Allemagne, les infirmiers, ils auscultent. Moi, quand je suis en formation et je parle aux infirmiers en réa, etc., je leur dis, mais prenez le stéthoscope, auscultez. Vous avez des patients qui sont intubés, on peut prendre plein de choses, ça fait partie de votre surveillance. Il y a plein de choses, avant d'aller appeler le médecin, mettez un coup de stétho. Pour les prémas, à savoir si on est en intubation sélective, il y a plein de choses. Ça reste un outil, mais c'est rentré dans la sacralisation. C'est ça, la sacralisation du stéthoscope. En fait, ça va aussi avec le rôle qu'on attribue à chacun. Enfin, ce qui est important, c'est aussi que pour que le système fonctionne, c'est que les gens aient bien compris quel est leur rôle dans ce système-là. Donc, pour reprendre la question de la décision, c'est sûr que quand on est de garde, qui va décider qu'on doit intuber un enfant ? Enfin, à un moment donné, est-ce qu'on intube, est-ce qu'on n'intube pas ? Il faut que quelqu'un décide. On ne va pas passer trois quarts d'heure à dire chacun ce qu'il pense là-dessus, quoi. Donc, il y a une question de responsabilité qui est associée normalement à une question de savoir ou d'expérience, de compétence, etc. Après, ça n'exclut pas d'en discuter, en disant, tu le trouves vraiment moins bien. On peut aller très vite et être à deux avec la personne, avec l'infirmier ou l'infirmière qui connaît l'enfant. Mais c'est vrai qu'il y a une question de responsabilité, qu'il ne faut pas que les médecins en profitent pour esquiver qu'il y ait un glissement de tâche qui fasse qu'à un moment donné, plus rien ne fonctionne. C'est-à-dire que ces décisions-là, parce que j'essayais de réfléchir à ce que voulait dire en fait, cette personne qui avait dit ça, ces décisions, elles sont assorties à une responsabilité et à un savoir. Ce savoir, il peut être transmis en fait. Quelqu'un qui est infirmière pratique avancée, il va avoir ce savoir va être formalisé. Cette personne a ce diplôme, a cette connaissance, donc. Et
Donc voilà les compétences et la responsabilité que cette personne peut avoir. Il y a aussi ça, c'est important en fait. Il y a aussi ça qui est dans, quand je disais qu'il y avait deux choses qui pouvaient bloquer l'évolution infirmière, c'est qu'il y a aussi une partie des infirmiers qui aimeraient bien en faire plus, mais qui voudraient ne pas assumer la responsabilité. Alors que moi, justement, ça c'est un grand classique. Moi je dis justement, on peut faire des gestes en plus, mais par contre, justement, si on devait mettre sur le papier de la loi, on peut prendre cette décision là. Oui, mais c'est, pour moi, ça va avec. C'est le revers de la médaille. C'est vrai. Mais pour moi, du coup, je suis pour ça aussi. Si jamais on veut évoluer, il faut passer par une question légale et prendre la part juridique qui va avec, bien sûr. L'un va pas sans l'autre, sinon ce serait complètement incohérent. La part de connaissance, d'expérience, etc. qui est requise par tout diplôme, en fait. Ça montre que là, on est aussi vers une évolution globale et aussi des compétences et des connaissances. En fait, là, je voyais le temps qui passait et en fait, on arrive quasiment aux 2 heures, quasiment presque de l'émission. Et puis, déjà, c'était hyper riche comme débat, je pense que... Il y a plein de questions qui ont été abordées dans le chat, mais sûrement on fera... On a vu passer une question sur l'intelligence artificielle, d'autres. Enfin, il y a sûrement aussi plein de sujets qui méritent. Mais des sujets aussi qu'on aura l'occasion de continuer de discuter après. Et c'est vrai que pour conclure un peu cette émission, on n'avait pas envie de finir tout de suite. On avait envie de vous poser plusieurs questions, et notamment une en particulier, si tu veux. Oui, c'est un peu un hommage, je dirais. en fait, c'est la question de savoir est-ce que vous avez un conseil pour toute la nouvelle génération qui s'engage en santé, un peu une bouteille à la mer. qui est très large, mais qu'est-ce que vous pouvez conseiller ? Moi, j'ai tout de suite mon message. Laurence, let's go. On peut choisir un message. Mon message, c'est entrer en relation avec les malades, en fait. Si vous faites un métier du soin, ne sacrifiez pas cette partie-là. C'est celle qui va vous nourrir, qui va vous modifier, qui va vous donner le plus de liberté d'évoluer dans votre vie. Et donc, la relation dans le soin, c'est fondamental. Ça va aider le patient aussi, puisque lui, il est en demande, évidemment, de ça, c'est une évidence. Je dirais la même chose, le fait de rester humain, en fait, tout le long, de jamais tomber dans l'inhumanité, justement voir le patient comme une... Il faut voir le patient comme une personne, il faut avoir, comme tu le dis très bien, cette relation-là, et il faut aussi... pour se protéger soi-même, partir du principe que c'est un métier comme un autre. C'est-à-dire qu'on y a, parce que c'est à double tranchant, la vocation. On pourrait se dire qu'on a vu une lumière divine qui est tombée sur nous et qu'on était fait pour ça toute notre vie. Mais à côté de ça, c'est pareil. Les héros, si on se prend pour un héros, derrière, il y aura forcément une chute à un moment parce que dans ces cas-là, on se protège pas. Donc c'est ça, il faut être capable de à la fois rester humain dans le soin, et le côté humain, c'est aussi savoir ses propres limites. C'est normal qu'on puisse être amené à pleurer après une situation, c'est normal qu'on puisse être en colère après une telle situation, c'est normal d'aller parler à quelqu'un. On commence à y avoir des psychologues dans les services, etc., notamment dans les services où il y a particulièrement des situations difficiles, mais vraiment garder ce côté humain et jamais se prendre pour ni un technicien, ni un super-héros, ni quoi que ce soit, juste un métier où avant tout on va traiter avec de l'humain, peu importe à quel domaine on sera, même au bloc opératoire, on traite avec des humains en fait. Donc on n'est pas en train de parler à une opération, on n'est pas en train. Donc je rejoins complètement ce que tu dis à propos de ça. Je ne sais pas si dans le chat il y a eu d'autres bouteilles à la mer. Non, mais en tout cas, on invite tout le monde à poser un peu les dernières questions. Oui, carrément, réagissez aussi, parce que c'est intéressant de partager avec tout le monde. Et moi, j'avais une autre question, parce que du coup, là, on a parlé beaucoup de littérature et de sciences humaines. Est-ce que vous, il y a une œuvre que vous auriez envie de transmettre aux autres? Parce qu'en fait, c'est vrai que je fais un petit point en aparté, mais on a beaucoup travaillé sur la direction artistique du projet. Pour nous, c'était aussi hyper important. Il y a un designer, d'ailleurs, qui Arthur, qui a été intégré à la création de l'émission. Tout le monde a fait un travail formidable. On passera les noms des gens en crédit, carrément. Mais là, sur la décoration, c'est fou. Il y a des équipes techniques derrière qui sont assez incroyables. Franchement, on peut remercier tout le monde qui est derrière. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi cette idée de se dire ça passe aussi par une dimension artistique, la question du soin. En tout cas, c'est assez proche. Et est-ce que vous, il y avait une œuvre qui vous parle sur la question du soin ou de votre métier? Une œuvre à conseiller Une œuvre à conseiller, ou qui vous touche. Je cherche le nom. Ça peut être peinture, lecture, ce que vous voulez. Film, moi aussi, je suis beaucoup plus cinéma. Ouais. Le film qui avait été fait par celui qui a fait la série Interne après,
Hippocrate. Ah oui. Ah. Hippocrate, où justement on voit un jeune médecin évoluer, on voit, je trouve ça c'est bien fait parce qu'on voit toutes les professions médicales et on voit le, alors vous voyez le film en question, à un moment donné il y a la question de la fin de vie et de la prise de décision et de l'accompagnement et il y a cette notion de déshumanisation dans le soin où justement on n'entend pas la requête de la patiente, etc. Tout ça pour moi justement quand, si ce film nous touche, c'est qu'on est encore, c'est un bon test pour savoir si on est encore des humains ou pas. si ça n'a pas d'écho de ce film là, c'est un petit problème dans le sein, mais voilà, ce film-là, en l'occurrence. Et toi, Laurence ? Et moi, bah, un film que je conseille, mais qui est peut-être un peu difficile à regarder, pour se détendre en tout cas, mais enfin bon, c'est Elephant Man. Ça me semble déterminant pour des étudiants en soins, parce qu'il y a toute la question de l'éthique du regard, en fait. L'éthique du regard, on n'en parle pas très souvent, on parle souvent de la parole, donner une place au sujet, mais le regard, il contribue tout à fait à ça. Et dans Elephant Man, voilà, une présentation clinique de cette personne qui est atteinte de cette maladie qui le rend difforme, en fait, comment on le regarde, en fait, comment le regardent tous ces médecins qui vont analyser chaque partie de son corps comme un objet, en fait, de connaissance. Ils ne sont même pas encore en train de se demander mais est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour lui. C'est un être humain, en fait. Puis après, il y a le regard qui change au fur et à mesure du film. Le regard du médecin change et il commence à devenir, en fait, un regard qui s'adresse à un sujet. Mmh. Et on voit ça aussi parfois, par exemple, quelqu'un qui va très mal. Mais on peut porter différents types de regards sur cette personne, elle va le sentir. Mmh. Enfin, il y a des regards qui font peur, en fait, des regards qui peuvent tuer avant l'heure, en fait. Et donc, je trouve que dans le soin, comme on est justement, comme on a dit au début, on nous accepte en fait dans l'enceinte de choses très intimes. Ah oui. Donc, il faut quand même qu'on ait un exercice, une prise de conscience de l'éthique du regard. Non, je trouve que c'est hyper intéressant. D'ailleurs, je crois que j'ai vu d'autres choses passer. Ouais, la série Scrubs. Mika qui a partagé aussi vos œuvres qui vous ont marqué. Je pense que c'est vrai qu'on a tout intérêt à un peu tout connaître et à se partager. Ouais. Moi, à titre personnel, j'avoue que j'avais grand envie de le partager. Je pense que ce qui m'a beaucoup marqué, c'était en fait c'est un vers libre d'une poète qui s'appelle Anna Armatova, où en fait elle fait la queue devant les files d'attente des prisons. Justement pendant le en URSS, et en fait il y a ce mot, donc c'est, elle parle avec une femme qui, la femme lui demande, et cela pourriez-vous le décrire, et donc Anna Armatova dit oui je le peux, et le vers d'après c'est alors une espèce de sourire se dessina sur ce qui avait été jadis son visage. Et je trouvais qu'il y avait ce truc hyper fort de se dire en fait tant qu'on peut dire les choses, tant qu'on peut faire porter la parole, enfin c'est ça aussi quoi. Après c'est peut-être mon côté psychiatre, mais je trouve que c'est ça qui est hyper important, c'est de toujours garder cette humanité et ce lien entre les gens quoi. Bon. Tu veux nous partager ton œuvre, Kevin ? Pour un autre épisode, je garde le suspense. Tout le monde reviendra. Tu sais combien, c'est dans 15 jours le prochain épisode, donc ça va le arriver 13 vite quand juin. Même. Mais vous en avez pensé quoi, vous, de un peu de ce moment ? Avec les thématiques qui allaient être abordées, pour la petite, je peux raconter la petite anecdote qu'à la base je devais absolument pas être là, que là je dois prendre la voiture pour aller à Metz juste après. Là j'y vais parce que je donne une formation demain, mais que quand on m'a présenté le projet et tout ça, j'ai fait ok, comment on annule les billets de train, comment on fait comme ça, on y va, parce que vraiment c'était complètement à la hauteur de ce que j'attendais. C'est trop génial d'avoir un média comme ça. Pour tous les autres, encore une fois, je serais ravie de suivre. Et on était un bon complètement. Pour la première, c'était vraiment. Ouais. C'était vraiment chouette. Ouais. Et puis on remercie tout le monde, Michael qui est passé pendant l'émission. Nos partenaires aussi. Ouais, nos partenaires. L'équipe technique, tout le monde. L'équipe technique, toute l'équipe artistique. Merci à tout le monde parce que tout à l'heure, il y a eu énormément de générosité dans le chat, donc ça nous fait plaisir. Ça nous rassure aussi sur le fait qu'on va dans la bonne direction. J'avais vu une question passer sur le fait qu'il fallait aussi inviter plus d'autres professionnels. vas-y, je peux te... Carrément, c'est hyper important. Et c'est vrai qu'on espère que le projet va pouvoir continuer. En tout cas, là, on vous attend donc le 13 juin pour le prochain épisode. Je ne sais pas si on dit le... On peut révéler les invités. Allez.
Moi, je sais pas. Bon, bah alors, on garde le secret. Non. Et bah, en tout cas, merci beaucoup pour ces échanges qui ont été vraiment très riches et très forts. Je pense que l'objectif. Merci aussi à nos partenaires, notamment l'assistance publique des hôpitaux de Paris et la MACSF. Nous, notre objectif, c'était vraiment de créer un média qui soit intergénérationnel et interprofessionnel. Et je crois qu'on a plutôt réussi le défi. Ouais. Ouais, et puis du coup, on se retrouve le 13 juin pour le prochain épisode qui sera Restaurer le dialogue. Merci. Merci beaucoup. Merci. Thank you.